Est-ce qu'il y a du monde Est-ce que vous m'entendez bien Vous m'entendez Hello Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Il semblerait qu'on ait un petit décalage, c'est normal. Euh, Est-ce que le chat commence Alors on va écrire un petit message. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Parce que j'ai un petit doute. Ah, merci. Alors, on va enlever la fenêtre. Bérangère. Salut Bérangère. Donc, on va attendre que les gens arrivent un petit peu. On va se faire une petite FAQ sur comment maîtriser Photoshop. Donc, euh, on va essayer tout simplement de parler euh, de nos débuts sur Photoshop. Je vais surtout vous parler de mes débuts sur Photoshop qui ont été extrêmement difficiles. Vous savez pas comment j'ai galéré. C'était horrible. <laughs> Salut Médary, Laurent, Julien. Zouer, Sidki, désolé si je déforme un petit peu vos prénoms. Oh, il fait extrêmement chaud ici. <laughs> Donc ouais, je vais vous parler tout simplement de mes débuts sur Photoshop. Euh, ça fait à peu près une petite dizaine d'années maintenant que, que j'utilise Photoshop, un peu plus même. Et euh, ouais, dites-moi tout simplement d'abord d'où venez. Donc moi, je ne sais pas si vous le savez, normalement vous le savez un petit peu pour certains. Donc moi, je suis sur la région parisienne, sur Montreuil. Je suis tout simplement curieux de savoir d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous m'entendez. Je ne sais pas combien il est le décalage, il doit être de 30 secondes. De Nancy, salut Laurent. Enfin, re-salut. Ne <laughs> vous inquiétez pas, si je regarde à gauche, c'est tout simplement que j'ai un deuxième écran. Enfin, j'en ai un troisième ici, mais je vais regarder seulement celui-ci à gauche en espérant qu'on n'ait pas de problème technique. Il fait chaud, il y a peut-être un peu d'orage. Moi, j'ai déjà très très chaud. Donc, euh, on va essayer de ne pas avoir de bug et de ne pas faire sauter le live. Donc dites-moi un petit peu d'où vous venez, je suis curieux de savoir bah, d'où vous m'écoutez. Près de Rouen, salut Julien. Et on n'a pas plus loin que ça, des Belges, je sais pas, des Suisses, euh, Luxembourgeois, Canadiens, ou même du Sud Ou au Maroc, Algérie, on sait rien moi. De Bretagne, bah salut Bérangère de Bretagne moi-même, je suis 50% breton. On le dira pas trop fort. <laughs> ne le prends pas mal. <laughs> non, j'adore la Bretagne quand il fait beau. Ah bah voilà, daris du Maroc. Donc pour l'instant, tu as la palme à celui qui vient bah, le plus loin. Du plus loin. J'ai extrêmement chaud. <laughs> Dites-moi si je dois augmenter le volume du micro. Euh, je sais pas. <laughs> bon bah c'est cool, Bérangère. Désolé pour la chaise, elle grince un peu, faut enfin, vraiment que j'investisse dans une nouvelle chaise. Surtout qu'elle me casse un peu le dos. Dites-moi depuis combien de temps. Bah, Algérie, super ça, ça fait un petit bout d'ici. Hein. Bon, bah, c'est bien ça. Dites-moi aussi, bon, je continuer à me dire d'où vous venez. Et surtout, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous utilisez Photoshop. Bon, Dites-moi honnêtement, hein. 6 euh, mois, 6 euh, ans, j'en sais rien, 16 ans ou 6 euh, jours. Dites-moi ça, ça m'intéresse. Donc, moi, comme je vous le dis, ça fait à peu près. Allez. Ouais, ça va faire un peu plus de 12 ans que j'utilise Photoshop. Euh, bon, je biduais un petit peu, mais bon, j'appelais pas ça utiliser Photoshop. Je m'amusais, quoi. Depuis 3 mois, Laurent, bah, d'accord. Okay. C'est top, le 3 mois, c'est vraiment le début, c'est là où on pose les bases. Je te parlerai tout à l'heure, enfin, je vous parlerai tout à l'heure de mes trois premiers mois. Pff, vous savez pas comment ça a été pénible, ça a été dur, ça a été dur. <laughs> je crois que j'étais pas fait pour ça à la base. Mais bon, je crois que je me... Ouais, je me suis accroché tout simplement. Un an. Super. Donc, je ne sais pas combien de temps on va rester ensemble. Tout dépend aussi si on a des bugs ou pas. Euh, on est bien parti, je pense, pour une petite heure. Donc, essayez d'avoir de l'eau à côté de vous. Si possible, fraîche. Parce qu'il fait très chaud. Et de quoi de grignoter pour ne pas tomber. <laughs> je vais vous balancer pas mal d'infos. Et puis, je vais, voilà, je vais vous raconter mon histoire. À savoir, peut-être que ça vous concerne ou pas. Je pense que certains vont s'y retrouver. Euh. Voilà donc euh, dites-moi un petit peu depuis combien de temps vous utilisez Photoshop et surtout ce que vous en faites. Si c'est seulement pour vos photos personnelles, si c'est parce que voilà vous êtes étudiant donc euh, vous avez besoin de l'apprendre pour vos cours, ou alors voilà tout simplement parce que bah c'est votre métier, hein. vous venez de commencer, vous venez de débuter, ou alors ça fait déjà depuis, depuis quelques années que vous utilisez Photoshop. Donc dites-moi si vraiment euh, c'est votre taf, si c'est votre métier, ou alors tout simplement vous l'apprenez pour le plaisir. Donc, moi, bah, je vais vous le dire honnêtement, j'ai pas eu le choix. J'ai dû l'apprendre directement en école. Et voilà, j'ai dû l'apprendre pour avoir mon diplôme. Sinon, bah, c'était pas possible, hein, sachant que c'était la base. Photoshop, c'était la base. Et j'ai pris beaucoup de logiciels là où j'ai fait mes études. Et Photoshop, c'était la base. Donc, on pouvait pas passer à côté, sachant qu'on peut faire plus ou moins tout ce qu'on veut avec Photoshop. Donc, Ménari, c'était pour tes photos perso, d'accord et dites-moi si... Bah dis-moi toi, Medari, si tu veux passer au niveau supérieur et voilà, avoir des photos personnelles mais qui, qui font un petit peu plus pro quoi. Où vraiment on voit que bah... Il se passe quelque chose, quoi. Parce que les photos personnelles, franchement, c'est le début, c'est l'éclat, c'est franchement... C'est kiffant. Vous ne savez pas ce qui se passe dès le début dans la tête d'un artiste, d'un graphiste. On a envie de tout créer, on a envie de tester plein de choses. Et euh, bon voilà, il y a le début, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop ce qu'on utilise, on ne connaît pas les outils, on ne connaît pas les calques. Moi, je ne savais même pas à quoi ça servait Photoshop. Je savais qu'on pouvait utiliser des images, mais alors vraiment, ce qu'on pouvait en faire, j'étais complètement ignorant. Donc toi aussi, Nadja, c'est pour le plaisir. Les études pour le lycée, ben voilà, ça c'est bien. Ça, moi, je serais pas étonné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans 10 ans, on apprendra Photoshop à l'école. C'est enfin, pratiquement sûr. Euh, maintenant, on n'est que dans le visuel, que dans l'image, que dans la consommation de pixels. Donc euh, je ne serais pas étonné que voilà, dans 10 ans au moins, tous les gamins apprennent euh, Photoshop à l'école. Ça va devenir obligatoire comme, euh, comme l'anglais ou sais rien, moi, un cours de Word ou euh, un cours d'histoire. Je pense que tout le monde va utiliser Photoshop. C'est un outil tellement puissant, on peut faire tellement de choses. Et puis c'est la base. Maintenant, on n'est que sur le net. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Euh, ce qui se passe sur Facebook, tout le monde fait de la publicité, tout le monde essaye de se mettre en avant, tout le monde a besoin de créer des images de qualité. C'est. Euh... Donc là, il y a Facebook, dans 10, 15 ans, 20 ans, il y aura peut-être encore autre chose. Il y a YouTube aussi, si vous faites du YouTube, vous êtes obligé d'utiliser Photoshop. Si vous faites de l'Instagram et vous n'utilisez pas Photoshop, bah, ça se passe sur Lightroom. Mais euh... voilà, maintenant on est dans le visuel, on a besoin de faire des présentations, donc au lieu de les faire sur le vieux PowerPoint, bah, on va les faire sur Photoshop. Si on veut faire une charte graphique, je ne sais pas, pour un site, bah, ça va le faire sur Photoshop aussi. Si vous voulez faire votre CV, bah, un CVV, ce qu'on appelle un CV visuel, un curriculum visuel. Donc, euh, ce que l'on est censé fournir dans notre domaine, excusez-moi pour la moto. Voilà, donc un CVV, on peut le faire sur Photoshop. Donc, vous pouvez mettre en avant vos talents en vous construisant un CVV dans Photoshop, un truc puissant où vraiment ça va impacter le sélectionneur, le recruteur, pardon. <laughs> voilà, donc vous pouvez vous faire des, des CV sur Photoshop, vous pouvez faire des, des mini-vidéos, vous pouvez vous faire plein de choses, il y a juste à exploiter le logiciel, pour ça, il faut connaître le logiciel. Donc Bérangère, je l'utilise depuis quelques mois parce que j'adore la photographie, donc utilisation personnelle. Et bien voilà, c'est ce qu'il y a de mieux comme ça, tu ne seras pas bridé par les demandes du client. Parfois un peu farfelu. C'est son Photoshop. Mais en anglais, un petit combo. Bah ouais, moi j'ai commencé en anglais aussi, c'était pas facile. Mais euh, bon, ça peut être intéressant quand même d'utiliser Photoshop en anglais. Parce qu'il y a déjà pas mal de tutos en anglais sur le net. Et que les trois quarts des personnes qui utilisent Photoshop l'utilisent en anglais. Moi je l'utilise en français pour vous. Euh, voilà, et puis, euh, bon, j'espère que ça vous parle en tout cas. Si de temps en temps vous voulez que je le mette en anglais, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai. D'ailleurs, sur ma première chaîne, Alexandre Devries, où j'ai fait quelques speed art, euh, donc l'interface est en anglais, si ça peut vous aider. Alors, Medari, quel est votre nom Bah oui, super, attends, on est 14. Bah oui, je vais commencer par me présenter. Donc, euh, puis on va commencer. Hein. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Devries, je suis infographiste 2D 3D euh, de profession. Ensuite, j'ai volé vers un boulot de designer, de web designer. J'ai fait aussi vidéographiste. Je vous l'ai dit un peu dans le désordre, mais bon, à la fin, j'ai fini directeur artistique. Donc, sur des agences parisiennes, sur des petites boîtes de prod sur Paris. Donc, voilà, je m'appelle Alexandre. Vous pouvez m'appeler Alex, ça me suffit, c'est amplement suffisant. Et euh, voilà, donc, bon, on va commencer. Moi, j'ai fait mes études sur Paris. Et je suis à la base de la région parisienne. Et voilà, j'ai décroché, pardon, un bac littéraire Observoir Plastique. Parce que, euh, bah, il y avait que ça. <laughs> Donc, je me suis accroché pour le bac euh, général. Et euh, voilà, j'ai conservé tout simplement l'opso-art Plastique parce que je savais que je voulais faire quelque chose dans le dessin. Tout simplement parce que, bah, en cours, je passais mon temps à dessiner. Quand je dormais pas. <laughs> non, euh, voilà. Même mes cours, en fait, euh, je les prenais en dessinant. J'avais toujours une page où je dessinais et une page où je prenais des notes. À la fin, il y avait souvent plus de dessins que de notes. <laughs> Salut Mariano, je suis content de te voir ici. Euh, donc, du coup, euh, voilà, j'ai décroché mon bac littéraire sur la région parisienne. Et après, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire J'en avais aucune idée. Euh, donc, euh, bah, étant donné que j'ai un peu foiré euh, mes concours dans la musique, du coup, je me suis plutôt concentré sur le dessin. On avait avait que ça où j'étais plus ou moins à l'aise, ça et le sport, mais bon. <laughs> avec la génétique que j'ai, on a laissé tomber. <laughs> Donc du coup, je me suis concentré sur le dessin et on m'a dit, il faut que tu prépares un bouc. Un bouc, un bouc, c'est pourquoi C'est pour les modèles photos, ça Non, non, un bouc, un bouc pour présenter tes dessins, pour présenter tes photos, pour présenter tes peintures, tes projets, tout simplement un bouc pour te représenter, représenter tout simplement ton savoir-faire. J'ai dit ok, j'ai monté mon book et j'ai contacté certaines écoles pour présenter mon dossier. Avec les notes que j'avais, du coup, j'ai pas eu beaucoup d'entretiens. <laughs> Forcément, quand on fait le guignol et qu'on fait des dessins en de cours, on le paye tôt ou tard. Et euh, bon, je me suis concentré sur quelques écoles où vraiment j'ai appuyé ma demande avec une belle lettre de motivation, un petit extrait de mon book que j'avais dû remanier pour justement intéresser plus d'écoles. Et là, j'ai décroché donc un entretien deux ou trois entretiens je crois donc euh, je suis allé où j'ai présenté mon book, j'ai présenté ma motivation et voilà, j'ai été invité donc euh, par une école à faire un deuxième entretien, donc un entretien plus de motivation, à savoir ce que je voulais faire plus tard, quelle section je voulais intégrer, si j'étais prêt à bosser sérieusement. Donc euh, j'ai dit oui oui oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et euh, du coup, j'ai été invité à passer les concours les concours de sélection, donc là vous êtes 600 ou 1000, je sais plus, dans une salle et vous avez deux jours pour euh, voilà pour réaliser les épreuves. J'ai réussi les épreuves et au lieu voilà d'intégrer la première année, bah, j'ai eu la chance d'intégrer directement la deuxième année. Donc ça c'était ça plutôt cool, sachant que l'année c'est 8000 euros. <laughs> donc du coup on passe de 16000 euros à 8000 euros, je dis cling cling, banco, on y va, sachant que c'était une très très bonne école renommée plus ou moins renommée sur Paris. Et euh, du coup, voilà, j'ai intégré euh, l'école euh, tout fier, tout content euh, à la rentrée. Et j'avais choisi donc, écoutez-moi bien, <laughs> écoutez-moi bien, j'ai choisi la section broadcast 3D, à savoir jeux vidéo et animation 3D. Donc là, dites-vous que en fait, le diplôme, c'est tout simplement pour concevoir et réaliser des images de synthèse. J'y viens, moi, au lycée juste avant cela, en fait, euh, j'utilisais pas un ordinateur. J'avais pas d'ordinateur. Mon père, il en, il en avait un. C'était toujours un petit peu la galère pour euh, l'avoir parce que bah, c'était le sien, c'était son ordinateur. Il fallait pas que je télécharge n'importe quoi. Il fallait pas que je me chope des virus. Enfin, quoi que ce soit, c'était compliqué. Sachant que c'était l'époque du peer-to-peer. -peer. Mais bon, on n'en était pas là parce que j'étais une cacahuète sur ordinateur. Je savais même pas télécharger un logiciel. Donc télécharger un film ou de la musique. C'était pas possible, c'était mon papa qui le faisait. Enfin, tout ça pour vous dire que j'étais seulement à l'aise sur mes MSN, la messagerie que vous connaissez sûrement qui date d'une bonne quinzaine d'années, voire 20 ans même. Et j'étais sur Word, donc pour faire euh, tout simplement mais comment on appelle ça, pour faire, pour prendre mes notes, hein, pour euh, mes contrôles, pour mes exposés d'école, ce genre de trucs, quoi. Donc MSN et Word, je suis arrivé dans une classe où il n'y a que des kicks et on me demande de réaliser des images de synthèse. Je suis arrivé devant mon premier ordinateur. Le premier jour, cours de Photoshop, faites un photomontage. Mais. Euh... <laughs> faites un photomontage. Euh... Comment dire euh... Moi, je sais faire juste un copier-coller, donc vous dites bien que je ne l'ai pas dit, <laughs> mais je savais faire seulement un copier-coller et j'en étais déjà très fier. J'arrêtais pas de dire à mes parents que jamais de la vie je passerai mon temps sur l'ordinateur. Jamais de la vie je travaillerai sur ordinateur, Jamais de la vie, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Moi, j'avais toujours un stylo à billes et une feuille dans la poche, je dessinais, je gratinais, je gratinais, je gribouillais un petit peu partout où je me trouvais, euh, dans le bus, dans le métro, euh, en attendant les cours, pendant les cours, beaucoup pendant les cours, euh, voilà, dès que j'étais un, un petit peu en voiture ou en voyage dans l'avion, je dessinais. Euh, donc c'était souvent des croquis, et on me demande de dessiner sur ordinateur, on me demande de faire un photomontage, d'intégrer des collines, un fond sous-marin, parce que vous voyez, mon premier projet c'était de créer un fond, marin le thème c'était atlantide atlantide vous savez pas comment j'ai lutté j'ai eu des gouttes de sueur qui me sont collées dans le dos parce que bon voilà je vous mets dans les conditions c'est une classe de 30 on est aligné donc en largeur ça doit faire 5 mètres peut-être sur 8 de long à peu près il y a deux rangées d'ordinateurs on est dos à dos chacun son écran Côte à côte, comme ça, on est 30 à bosser dans une chaleur de dingue parce que forcément il y a 30 PC qui tournent, les volets fermés pour être dans le noir, la seule lumière qu'on avait c'était nos écrans, et ça pendant 4 heures. Il fait au moins 32 degrés là-dedans, et on demande de faire un fond marin, et euh, bah non, bah non, <laughs> c'est pas possible, donc là je me tourne vers la gauche, je me tourne vers la droite pour voir un peu ce que font les autres, euh, ça commençait déjà à faire des détourages, ça commençait déjà à utiliser les outils, ça changeait le ciel, ça changeait les couleurs, ça intégrait des personnages. Et moi, j'étais sur mon espace blanc vierge. Ouais, voilà, sympa l'ambiance. Et euh, bon, euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les écoles de design, les écoles d'art, là où il y a des concours. C'est de la sélection. C'est la sélection pure et dure. C'est à celui qui sera le plus fort, il faut être honnête. Hein, parce qu'en en fait, à la fin de l'année, on doit présenter un projet, une vidéo. Plusieurs projets, même, euh, enfin, non, c'est un projet avec trois vidéos au moins, d'animation 3D, avec un générique, avec de la musique, avec des bruitages, avec des effets. Moi, je sais faire un copier-coller. J'ai une clé USB si vous voulez, euh, c'est tout. Voilà, je sais la mettre. Je sais faire un copier-coller de fichiers. Euh, voilà. Donc, euh, bon, bref. On me demande de créer ça. Et bah, voilà. Bon, moi, ce que je fais, euh, gentiment, je demande à gauche, à droite. Et Est-ce que il euh, y a moyen que tu m'aides? Je vous le dis, hein, c'est une école de design. Une école de design, on va le dire honnêtement, c'est la sélection. C'est de la sélection, je veux dire par là que en fait, euh, donc je l'ai même dit, on doit rendre un projet à la fin de l'année et euh, les entreprises, les grandes entreprises, viennent nous voir, viennent regarder nos projets pour bah, nous sélectionner, nous recruter. Les places, les places sont très très chères. Sachant qu'on euh, est sur Paris, euh, on fait tout ça, toutes les écoles sont sur Paris, les places sont très très chères, donc c'est à celui qui aura le meilleur niveau, la meilleure qualité, la meilleure prestation graphique. J'en tremble encore, vous savez pas. Franchement, je me suis mis dans une galère, hein. là j'ai senti que j'étais pas à ma place. Euh, dans les cours, bah, les mecs ils parlaient pas elfique mais euh, quasi quoi. Ça parlait moteur de rendu, ça parlait proxy, ça parlait lutte. Euh, je suis arrivé donc directement en deuxième année de licence en conception de réalisation d'images de synthèse. Quand euh, je vous le dis, à l'époque, je savais pas utiliser un ordinateur, je connaissais rien aux ordinateurs. Euh, les mecs, quand ils me parlaient, même quand je demandais un conseil, en fait, euh, bah, j'étais dans le flou. Je comprenais pas la réponse, mec. Euh, Qu'est-ce que tu me dis, quoi et euh, enfin, bon, donc euh, du coup, j'ai eu pas mal de mal à m'intégrer. Et étant donné que ça parlait euh, pas l'elfique, mais euh, voilà un langage que je connaissais pas trop, euh, bah, du coup, j'ai pas trop parlé le premier trimestre. Hein. Euh, voilà, j'ai tout simplement essayé de comprendre un peu ce qui se passait autour de moi et surtout comprendre le logiciel. Parce que là, je vous dis avec Photoshop, mais à côté, j'avais des cours de modélisation, j'avais des cours de euh, texturage, de lactine 3D, de montage vidéo, d'export. Enfin bon, donc j'avais au moins les 4 ou 5 logiciels à utiliser. Donc ça c'était la base, parce qu'après il y a tous les plugins aussi que tu veux utiliser. Donc là si tu arrives à choper le, bo le prof, il te donne une petite astuce. Voilà, tu télécharges tel logiciel, tu euh, l'exportes, tac tac, euh, tu mets en place le proxy, euh, puis voilà, tu fais ton rendu par le nouveau moteur de rendu, euh, mental arrêt, et puis euh, à la rigueur tu peux tester VRM, mais bon... Quoi euh, Moi j'ai pas d'ordinateur déjà. <laughs> donc euh, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très très compliqué. Et euh, <laughs> Laurent Jérémy, énorme ton histoire. Moi je pense que franchement, euh, j'espère en tout cas que vous l'avez vécu un petit peu. Euh, C'était... Euh, enfin je me suis tout simplement demandé ce que je foutais là quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire euh, L'année c'est 8000 euros. Est-ce que je vais euh, aller jusqu'au bout Parce que déjà au bout d'une semaine, tu as déjà une personne qui a déjà quitté, qui a dit voilà j'arrête. 8000 euros euh, c'est 8000 euros. Enfin euh, moi en tout cas j'ai eu du mal. Sachant que c'était pas moi qui ai payé ma deuxième année, j'ai payé ma troisième année. Donc papa et maman, je vais leur dire en rentrant, euh, je vais arrêter. Ça va pas être possible. Ça va clairement pas être possible. Moi je connais la maison, c'est pas possible. Sachant que je m'étais arraché les cheveux pour décrocher mon bac. Je l'ai eu à l'arracher, hein, je l'ai pas volé, mais euh, bon rattrapage quoi. Et après je me suis pris la tête à travailler tout l'été, à pas partir en vacances, à bosser sur mon book. À préparer mon bouc, à passer les entretiens, à réussir mes entretiens, à dire à papa maman j'ai réussi mes entretiens, je suis content, c'est la fête, c'est 8000 euros, bam Bref, euh, il fallait y aller quoi. Il fallait y aller, il fallait de chaud patate, et euh, enfin mes parents, ils m'ont toujours dit euh, quand on commence quelque chose, on lâche rien, quand on va jusqu'au bout. Le principal, c'est d'essayer, c'est clair réussir, c'est mieux. <laughs> réussir, c'est beaucoup mieux. Alors j'ai un petit peu de retard dans mes slides, excusez-moi. Euh, donc voilà, tout ça pour vous dire que j'utilisais simplement MSN et Word et qu'un copier-coller déjà me rendait déjà super fier. Donc du coup, et eh ben ce qui m'arrive, arrive. Voilà, je ne suis pas du tout à l'aise sur l'ordinateur. Euh, je demande de l'aide à gauche à droite. Je suis arrivé dans une, gla une classe de geek où je comprenais rien du tout à ce qu'il me disait. Euh, voilà, comme je vous dis, j'avais des cours hyper compliqués. Bon, J'étais hyper intéressé, mais euh, hyper décalé, quoi, hyper largué. <laughs> mais bon, voilà. Des fois, la passion ne suffit pas vraiment. Donc j'ai vite pété un câble le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. On me disait, maman me disait, t'inquiète pas, c'est normal, c'est le début, tu vas y arriver. Oui, mais maman, elle connaît pas Photoshop, maman, elle connaît pas les moteurs de rendu, maman, elle sait pas ce que c'est qu'un export. Maman, elle sait pas qu'après il n'y a qu'une seule place à l'arrivée, que bah, si tu l'as pas, bah, c'est chômage. Donc faire tout ça pour arriver au chômage et surtout payer tout ça. Enfin bon. Hormis les sous, franchement, euh, psychologiquement, euh, c'est éprouvant. Vous avez sûrement déjà dû passer des concours. Vous savez qu'il euh, y a peut-être seulement 200 places qui sont, euh, qui sont possibles. On est 2000, euh, comment on fait Enfin peut-être pas 2000, mais on était bien à 800 ou 1000. Donc euh, bref, le premier jour arrive, je m'installe tout content derrière mon poste, j'allume Photoshop, et là ma voisine arrive dès le premier jour et je pense qu'elle a regretté directement le premier jour de cette assise à côté de moi. Parce que comme vous en doutez, bah, un calque c'est quoi C'est quoi un calque <laughs> Le mec te dit de faire un photomontage atlantide. Donc euh, il fallait en fait réaliser, euh, vous connaissez sûrement Atlantide, euh, la civilisation sous-marine enterrée, enfouie sous l'océan. Mais euh, on peut pas commencer juste par créer un petit carré rouge et après je sais pas que je le coupe euh, et puis après que je le remplisse en verre. Euh, des trucs simples quoi, des trucs basiques. J'ai pensé qu'on allait m'apprendre le, le calque, déjà comprendre ce qu'est un calque. Enfin moi le... J'ai pas compris que c'était des couches en fait que tu superposais et que du coup après ça créait une image. J'ai pas compris ça. Moi pour moi c'était une image et puis après t'avais encore une image, encore une image. Donc pour moi il fallait bosser sur la même image, à savoir sur le même calque. Mais non. Parce que si tu fais un détourage, tac, tu le colles sur euh, un ciel, bah tu peux pas l'ajuster. Bah tiens, comment faut faire pour le décaler Tiens, comment faut faire pour changer juste la couleur du ciel Bah c'est pas possible, Alex. Alex, c'est pas possible. Enfin, je pèse mes mots, mais. T'es une quêquette, t'es une merde, quoi. Tu sais, tu sais pas faire du Photoshop, donc tu vas pas l'inventer. Euh, on n'invente pas la roue, hein, quand on connaît pas la roue. Donc, euh, bon, voilà. Elle s'en est voulu, je pense, dès le premier jour, parce que direct... Moi, bon, je suis gentil, un hein, tout friendly, je suis arrivé vers elle. Psite, comment tu fais ça Comment tu fais pour supprimer le truc autour Le truc, déjà, tu, tu sais pas de quoi tu parles. Comment tu fais pour changer cette couleur De quelle couleur tu parles De quoi tu parles Comment tu veux la changer Merde, fais chier. Ah bah, comme par hasard, ça marche pas avec moi. Moi, c'est simple. Hein. Dès que je voulais tester un truc, bah, ça marchait pas. Même encore de, de nos jours, hein, dès que je teste un truc, je, je teste, bah, ça marche pas. Il y en a qui testent, il y en a qui arrivent direct. Moi, non. J'ai pas été habitué comme ça. Moi, je commence un truc, bah, je le recommence. <laughs> Je teste un truc, moi je le recommence, et encore, quand je le recommence, euh, j'ai essayé de le recommencer, quoi. Donc, euh, du coup, voilà. De temps en temps, j'ai essayé d'alterner entre ma voisine de gauche et mon voisin de droite, qui était déjà un peu plus cool, mais peut-être aussi largué que moi, donc du coup, il me conseillait un petit peu moins. Forcément, tu veux avoir les meilleurs conseils, tu veux demander les meilleurs conseils aux meilleures personnes, et ma voisine de gauche, elle commence à enchaîner des trucs de dingue. Elle était déjà sur sa deuxi deuxième planche, sur son deuxième visuel. Elle avait changé le ciel, elle avait mis un personnage, tac, elle avait créé une action. Sa composition était dynamique. De quoi Composition quoi De quoi tu parles Dynamique de quoi Un je... Hein? je sais pas moi. Euh, les images, tu les shops où Comment tu fais tes détourages Détourages, déjà je disais même pas détourages. Comment tu fais pour euh, juste sélectionner euh, le personnage, le mec là, le détourer et le mettre tac sur la, la pelouse Comment tu fais ça alors le truc c'est que tu prends ton petit lasso, déjà faut utiliser le bon outil. Moi c'est le lasso polygonal, mais il y en a c'est la baguette magique, donc quand on te montre la baguette magique, t'as qu'on te fait une plage des couleurs, mais de quoi tu me parles, plage de quoi De la plage de quoi Moi <laughs> c'est carré et cocotier moi tu me parles de plage, non Dynamique, quoi, je comprends rien. Donc du coup, euh, au monde des outils, je sais pas les utiliser. Au bout d'un moment, bah t'es obligé d'attirer l'attention du prof quand même. Sachant que ça bosse dans le calme, tu vois. Donc, direct, si tu commences à poser une question, bah, tout le monde va te commencer à te regarder. Et ma première question, c'est euh, Comment je fais pour importer une photo <laughs> En y pensant, bah, je rigole, hein, mais euh, bah, comment tu fais euh, Même par instinct, en fait, comme je ne savais pas utiliser d'autres logiciels, je ne savais pas qu'un glisser-déposer, ça existait. Ce qu'on appelle un drag-and-drop tu glisses, tu déposes, bam, ça s'ouvre. Et bah, bam, c'est raté, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. <laughs> Euh, J'essaie de retourner sur vos messages. Euh, vous m'écoutez Bon moi, ça a l'air sympa, <laughs> c'est cool. Vous êtes encore là. Euh, bref, du coup, euh, je demande à ma prof de m'aider. Euh, ma prof, elle m'a dit tout simplement, tac, tu prends ta photo, mais elle va le faire elle-même en fait, parce qu'elle va te dire, tac, tu déposes ça, ça, ça. Elle est derrière moi. Hein. Quoi Quoi Je sais pas. Donc du coup, elle attrape ta souris, elle dépose la photo, tac. Mais elle le fait pour toi. Le temps qu'elle t'explique, bah elle est déjà passée à un autre élève. En fait, à chaque nouvelle action, j'étais obligé de demander euh, « Maintenant, comment vous faites pour bouger l'élément ?» Donc euh, l'autre, elle me dit euh, « bah, Tu prends l'outil navigation. » Donc moi, je disais plutôt de Donne-moi le symbole de l'outil. Euh, » Là, c'est les flèches, donc euh, dis-moi que c'est tout simplement le premier outil à gauche, les flèches, tac, et tu bouges. Tu m'aurais parlé de raccourci, je ne vous parle pas déjà de raccourci parce que ce pas possible. Euh, donc tac, tu bouges avec la souris, tu fais un clic et tu déplaces comme ça. Et Tu te mets dessus, sinon ça marche pas, tac. Maintenant tu sélectionnes l'autre calque. Comment ça se fait que tu sélectionnes l'autre calque Parce qu'il n'est pas, pas verrouillé, t'as cliqué dessus, tac. Une galère, une galère, j'en transpirais, franchement. Euh, J'adorais ces cours, mais je les maudissais en même temps. Parce qu'en fait, je comprenais pas. À partir du moment en fait, où vous ne savez pas ce qu'il est possible de faire, comment vous voulez imaginer faire quelque chose Les idées, vous les avez pas. Enfin, moi, je les avais pas. Pourtant. Euh je me considère quand même une personne remplie d'imagination, j'arrêtais pas de rêver en classe. Je rêvais à des trucs de dingue, des histoires de chevaliers, de monstres, du gargouille. Je les avais en tête, quoi. Après, le poignet, euh, bah, il suivait pas. <laughs> Mais avant de, que le poignet suive, voilà, il faut que bah, le cerveau travaille aussi, que l'œil travaille. Donc tout ça, au fait, c'est lié. Mais euh, tout ça, j'étais complètement ignorant. Et euh, j'étais complètement perdu. Et euh, bah voilà, autant vous dire que je me sentais pas vraiment bien à ce moment-là et que c'était pas cool du tout d'essayer donc de poursuivre un petit peu ma passion à savoir créer des images de synthèse. Moi je voulais travailler dans les films, je voulais en fait créer des, des pubs. Vous voyez dans, dans la rue, vous voyez, je sais pas moi, une affiche de, euh, de Jurassic Park, le dernier film qui vient de sortir, que je me suis empressé d'ailleurs d'aller voir. Moi je voulais créer ça, tu passes dans la rue, bam, regarde, c'est euh, l'image d'Alex, regarde, bam, 3 sur 4, elle est monstrueuse, tout le monde passe dans le métro tous les matins, les gens la voient, ça c'est cool, ça c'est moi. Moi je voulais faire ça, je voulais créer, euh, je sais pas, des dinosaures, j'étais fan de Jurassic Park, bon, comme vous l'avez compris, mais j'étais fan euh, de drago Ball je voulais faire des dessins animés, euh, je voulais faire des images de synthèse, je voulais créer des effets spéciaux, des effets stylés, quoi, des effets clac, ça c'est ta photo, c'est monstrueux ah ouais mon gars, c'est moi qui l'ai fait. Mais non, mais non. Avant ça, avant ça, il se passe du temps, il se passe des galères, il se passe des nuits, des nuits blanches. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, bah quand je rentrais le soir, après euh, 8 heures et passé sur l'ordinateur, bah, je rentrais chez moi. J'avais déjà deux heures de transport dans les transports. Bah je pouvais pas regarder tout, tout sur mon smartphone. Les smartphones ça n'existait pas. Enfin, on avait des des Nokia, vous savez la petite brique là où on faisait, on faisait, on faisait le serpent, le jeu du serpent, que j'avais même pas sur mon téléphone, que j'étais en fait obligé d'emprunter à quelqu'un d'autre, parce que moi j'avais un Akaltel 511, et ça fonctionnait pas dessus, donc déjà, sur mon téléphone j'étais à la ramasse, sachant que je l'ai eu à 16 ans, euh, tout le monde avait son téléphone à 13 ans, j'avais toujours pas de téléphone, donc j'étais pas invité en soirée, donc euh, bon, bref. <laughs> les galères, je vous dis, moi je les ai toutes eues. <laughs> et euh, du coup, bon bah voilà, c'était pas du tout évident. Et j'ai eu euh, de mauvaises notes. J'ai eu les fameuses phrases du style.. Bon, en fait, toute ma scolarité, hein, j'ai eu les phrases du coup, Alexandre n'a pas acquis les bases fondamentales, les bases essentielles. Un touriste aurait au moins pris des photos. Donc ça, c'est les phrases de base, mais euh, je les avais. Un, il touche le fond, mais creuse encore. Moi, je creusais longtemps. Il n'y avait plus de lumière, j'étais tout seul dans le noir. <laughs> Et euh, bon voilà, quand je vous dis, je suis arrivé dans une classe de geek et les autres élèves connaissaient déjà tous Photoshop. Et moi, je le découvrais seulement. J'étais à la traîne dès le premier jour. Le rythme était intense et le niveau était élevé, sachant que ça se passait en deux ans. Deuxième année, tac, tu construis ton premier projet. Troisième année, t'es en pleine production et tu le présentes. Non Non, 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 non. Moi, déjà, euh, dès les, les deux premiers mois, j'avais pas de scénario, j'avais pas d'idée. Euh, on me demandait de faire des modélisations 3D, on me demandait de faire du texturing, de l'animation 3D. Si, je sais pas si vous connaissez un peu le rigging 3D, mais dites-vous que tout le design, le graphisme, tout ça c'est loué. Donc c'est, j'ai perdu mon mot, c'est lié. Tout ça c'est lié, donc il faut connaître en fait un maximum de logiciels. Et la base c'est Photoshop. Donc si tu connais pas déjà Photoshop, bah je te prends pas en stage, mec. Ça c'est clair. Moi on me l'a dit, hein. Tu connais pas Photoshop, bah tu me sers à quoi? Tu vas pas répondre au téléphone, j'ai pas envie d'aller ramener le café. Euh, la Photocopieuse, ça se fait plus, hein, c'est plus les années 90. Maintenant, on t'envoie tout par mail, il y a un réseau, il y a un serveur, ça tourne en instantané, t'as une message en instantané, faut que tu sois ready, faut que tu sois utiliser tous ces logiciels. Tu galères, Alex, t'as pas de stage, t'es dans la merde. Moi j'ai galéré, hein, vous savez pas, l'école c'était compliqué pour moi. Bon, <laughs> c'était extrêmement compliqué au primaire. Au collège, au lycée, arrivé en deuxième année, je me suis dit c'est bon, c'est un cursus qui est pour moi, je vais enfin m'éclater. Je vais faire enfin ce que j'aime. Bah ben non, tu vas faire ce que tu aimes, mais tu vas le détester, tu vas le haïr, tu vas te haïr parce que t'es en retard. Je suis arrivé avec un sérieux retard. Je me suis arraché les cheveux plus d'une fois parce que je faisais planter Photoshop. Vous savez l'erreur fatale. Donc là. Moi je sais même pas ce que c'est en fait, à l'époque je savais même pas ce que c'était, hop, boum, ton message d'erreur, tac, c'est quoi, t'as même pas le temps de lire, ton logiciel est fermé parce que forcément, t'as une version piratée, hein, t'es élève, tu galères, t'as demandé à papa de, de te télécharger Photoshop, euh, c'était Photoshop 6 même à l'époque je crois, donc euh, voilà, il y avait le filtre fluidité, je me souviens à l'époque, euh, on m'a montré ça, on m'a dit, tiens, regarde, c'est la nouvelle nouveauté, ça déchire tu déformes tes photos, c'est bien, mais je sais pas importer une photo, je sais pas prendre de photos, les gars. Moi, je savais pas prendre de photos, j'avais même pas d'appareil photo. J'avais pas d'appareil photo, j'étais étudiant. Moi, ce que je voulais, c'était jouer de la musique, c'était dessiner, c'était glander avec mes potes, aller des concerts, et puis voilà. Donc du coup, bah pas de téléphone, enfin pas de smartphone. Donc du coup, bah tu peux prendre, tu prends pas de téléphone, tu prends pas de photos, je veux dire, avec ton téléphone, t'as pas de smartphone, ça existe pas, c'est encore en noir et blanc avec 36 pixels. <laughs> Euh, voilà, bon, c'était euh, compliqué dès le début en fait. Euh, J'ai recommencé et recommencé tous mes détourages. J'ai perdu du temps à chercher un calque, à recommencer mon document PSD parce que je ne pouvais pas modifier mon personnage qui était mis sur le premier plan. Je ne pouvais pas passer sur le deuxième plan parce que mon premier plan passait par-dessus. Enfin, tous mes calques étaient fusionnés. Euh, je ne comprenais pas en fait comment il fallait construire son projet. Je ne comprenais pas comment il fallait en fait... Euh... Ouais, c'est ça, construire, comprendre Photoshop. J'arrivais pas à comprendre Photoshop. J'arrivais pas à imaginer Photoshop. Tiens, je mets ça en place pour amener le ciel. Je mets le ciel en place, tac. Après, je vais pouvoir mettre mes étoiles. Je vais peut-être pouvoir incruster une planète. Mais quoi non, <laughs> non, je sais pas de quoi tu parles. J'ai je, je, ça en tête, mais je sais pas c'est possible. Comment, comment tu fais ça Comment tu fais pour mettre un ciel Tu peux mettre une deuxième image comme ça Mais c'est un truc de ouf Mais comment tu fais ça Attends, mais ton calque là, il est où là Où est-ce qu'il est ce calque Ah merde, je l'ai supprimé. Ah merde, il est où Ah, mais on peut pas mettre des couleurs, on peut pas mettre des codes couleurs. Déjà, les codes couleurs, tu m'aurais montré les codes couleurs le premier jour, mais j'aurais kiffé. Moi, je suis dans le visuel. Il faut, que, il faut que ça sorte direct. Tiens, ça c'est ça, ça c'est ça moi j'avais 15 000 fenêtres, tu sais, toutes les fenêtres qui sont là, là, regarde, si je te les mets là, là, tout ça, tac, composition de calque, allez, journal de mesure, allez, un petit peu de navigation, euh... voilà, bon, en fait je l'ai enlevé, hop, je vais remettre l'historique, tu vois, toutes ces fenêtres, moi j'avais tout ça devant les yeux, là tu m'aurais dit, mais c'est quoi tout ça, là je sais pas, que, que, ça, ça, ça sert à quoi en fait, on ne te dit pas que, bah, tiens, si tu actionnes tel outil, tu vas pouvoir aussi l'actionner avec un raccourci, mais tu peux le trouver aussi dans tel onglet, tu peux aussi l'actionner de différentes façons, tu pas besoin de te prendre la tête de connaître toutes les façons, juste une seule, ça suffit. Bah oui, mais tu me dis ça, moi c'est cool, je veux bien comprendre, sauf que un tel, il m'a dit qu'il fallait faire comme ça, l'autre, il m'a dit comme ça, et puis vous, la semaine dernière, vous m'avez dit de faire comme ça. Euh, je fais comment Moi, tu me dis, tiens, numéro 1, il faut importer la photo, numéro 2, tu dupliques ton calque, Personne ne m'a dit moi qu'il fallait dupliquer un calque pour sécuriser son travail. Sécuriser son travail, c'est dire quoi Moi, je, je je sais pas. Sécuriser son travail, c'est dire que ben, je vais pas le perdre. Ça veut dire que euh, ça va pas prendre feu. Ça veut dire quoi je Sécuriser son calque. En fait, ça veut dire tout simplement que tu vas pouvoir revenir en arrière, Alexandre. Ah ouais. Mais tu m'avais pas dit qu'il y avait un contrôle Z. Ouais, ça c'est bien le contrôle Z. Mais imaginons tu fermes ton document demain, tu veux le rouvrir, ton contrôle Z il va, il va te servir à rien. Et euh, on ne m'a pas dit tout ça, donc j'ai découvert toutes ces choses-là. Je les ai découvertes par moi-même et non pas avec mon professeur. Et encore moins avec mes potes camarades qui. Bah... Ça jouait des coudes, hein, je vous le dis honnêtement, ça jouait des coudes, donc de temps en temps on pouvait te donner un conseil. Si t'en donnais un, voilà, il fallait quand même en donner de temps en temps. Il fallait au moins que tu serves à quelque chose. Si tu sers à rien, bah... t'existe pas, on hein, On parle pas de toi. Et euh, j'essaye tout simplement de recréer un petit peu ma charte. Voilà, mon espace vital Photoshop. Tout simplement, voilà, pour vous dire qu'il faut éviter la pollution visuelle sur Photoshop. Moi, on ne me l'a pas dit, ça, évite éviter la pollution visuelle avec ça. Pollution visuelle, je ne sais pas ce que c'est, déjà, de quoi tu me parles Donc, ces termes-là, je ne sais pas si je les ai inventés, mais j'ai dû les entendre une fois ou deux par là. Je les répète tout le temps, parce que sur Photoshop, il faut se sentir à l'aise. Il faut se sentir comme à la maison. Tu mets tes claquettes, tu mets ton short, tu te mets torse nu, tu bois ta petite canette, t'es refait, t'as tes petits outils sur la gauche, voilà, t'es bien, t'as tes calques à droite, t'as ta navigation en haut à droite. Soft, t'as pas besoin d'avoir ta fenêtre des styles, fenêtre de glyphes, fenêtre de paragraphes, t'as pas besoin d'avoir tous les outils. Déjà, t'as même pas besoin d'utiliser tous les outils. Et moi, tu m'aurais dit ça. Euh... Ok, sélectionne-moi 5, 5 outils, 5 outils qui déchirent, que je, peux, voilà, que je suis obligé d'utiliser à chaque fois que je fais du Photoshop. Bah déjà, on m'aurait dit ça. Tac, premier cours sur le tableau. Les outils les plus, les plus puissants que vous devez utiliser. Après vous mettez tout le reste de côté si vous connaissez pas Photoshop si vous connaissez Photoshop vous utilisez tout ce que vous voulez utiliser mais au début si vous êtes comme Alex dans le fond à droite <laughs> vous utilisez la navigation. Ensuite pour euh, voilà pour bouger vos éléments, ensuite vous, vous utilisez Ah euh... oh, putain, j'ai soif. <laughs> j'ai très très soif, je parle trop vite. Le y le de travers. Du coup, on m'aurait dit, voilà, tu utilises la navigation pour bouger tes éléments. Ensuite, tu prends un des lassos, que tu kiffes. Donc là, déjà, il faut les tester. Hop, tiens, tu te fais une séance avec le lasso normal. Après, tu testes le lasso polygonal. Mais attention, il fait des angles. C'est sympa, mais bon, pour être minutieux, c'est pas top. Après, si tu veux, tu as, euh, je sais pas, moi, tu as la baguette magique ou le pinceau à sélection rapide. Voilà, tu as tous ces outils-là pour faire des sélections. Tu peux aussi mémoriser tes sélections, combien de fois j'ai galéré à refaire une sélection. Mais c'est un truc de ouf, ça! Vous avez déjà essayé de faire une sélection sur des cheveux bouclés? Non? Moi j'ai fait. Euh... Alors attendez. Cheveux bouclés sur euh... un environnement avec des arbres et des fleurs. Euh... Enfin bon, pas un environnement, pas un arrière-plan blanc. Donc un arrière-plan blanc, jaune, violet, ça c'est facile! Enfin, c'est facile, c'est compliqué, ok, mais moins compliqué s'il y a des arbustes derrière, un château fort, ou genre ça, moi, des antennes, des trucs qui passent dans tous les sens, où tu as tout délimité, ça, c'est une galère. Et j'ai très chaud. <laughs> J'en transpire déjà parce que je me projette, en fait. Je refais une projection de mes débuts sur Photoshop. Euh, donc voilà combien de fois j'ai galéré parce que tout simplement j'ai pas travaillé de façon sécurisée pendant plusieurs heures pour enfin me rendre compte que j'allais pas pouvoir modifier ma création sans recommencer à zéro. J'ai recommencé à zéro, je sais pas combien de fois pour après reconstruire, des fois moins bien, des fois plus bien. Je sais, c'est pas français, mais c'est pour vous montrer à quel point j'étais largué. C'était compliqué. Bref, j'ai lutté dès le début, j'avais pas de facilité. J'ai jamais eu de facilité. Je dirais tout maillard. Donc, euh, voilà, je me souviens tout simplement de mon premier projet noté. Donc, celui qu'il fallait rendre tout simplement, celui qu'il fallait présenter. Donc, euh, généralement, ça se fait sur trois semaines, sur un mois. Et euh, on ne peut pas dire que, voilà, vous n'avez pas le temps. Mais <laughs> moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de beaucoup de temps. Sachant que, donc, en fait, je vais vous expliquer. Euh, cours de... Mes cours, en fait, en école de design. Je ne vais pas vous parler de mon école, ça ne sert à rien. Il euh, y a différentes écoles. Et, du coup le matin c'était souvent la théorie en amphi, vous êtes 300 ou 600, je ne sais plus combien on était, euh, vous avez des cours, de théorie, pardon, des cours de théorie pendant 3 heures, 4 heures toute la matinée. J'étais souvent pas là parce que justement je travaillais chez moi. Donc du coup j'arrivais seulement l'après-midi pour les cours de pratique en ordinateur, en salle d'ordinateur. Euh, ou alors je faisais euh, mes travaux pratiques en cours d'amphi. <laughs> enfin bon j'étais pas là où il faut au bon moment. Euh, donc du coup... Euh, J'arrive avec des heures de retard, euh, j'ai loupé la matinée. J'arrive, je présente mon projet l'après-midi. Et c'était un jeu où il fallait tout simplement inventer une illustration pour un jeu Ubisoft. Donc faire une simulation d'affiches promotionnelles. Le jour J, je suis arrivé allez, en ayant séché la matinée. J'ai pas dormi depuis. J'ai pas dormi pendant 48 heures, facile. Enfin bon, j'étais décalé, mais j'étais content de moi parce que j'avais réussi à créer quelque chose. Et on était très peu à rendre quelque chose en temps normal. Parce que... Bah on est des artistes quoi. Les artistes, ils sont en retard. Les artistes, ils sont fatigués. Les artistes, ils regardent des séries toute la nuit. Ça n'existait pas les séries. Enfin si on les téléchargeait, mais il n'y avait pas Netflix. Euh, du coup, euh, voilà, on travaillait toute la nuit. Enfin moi, je travaillais essentiellement toute la nuit. Euh, certains se couchaient plus tôt parce qu'ils avaient de l'avance, forcément. Mais bon, vous voyez, on se couchait vers 1h, 2h. Moi, des fois, je dormais pas. Je dormais pas. Euh, je rentrais le soir, je faisais de l'ordinateur, essentiellement du Photoshop pour commencer à la base et revoir les notions essentielles. Ensuite je mangeais et après je retournais sur l'ordinateur de, euh, ouais, de 22h à 4h du matin, je dormais 2-3h, je me réveillais, je regardais mon ordinateur, voir s'il n'avait pas planté parce que je lançais des rendus, ce genre de trucs. Et euh, je regarde aussi vos messages, Bérengère, c'est quoi cette excuse d'artiste Ben ouais, mais t'es un glandeur, t'as 21, 22 ans, tu, tu glandes, tu t'aimes bien glander. Puis moi, j'étais un professionnel. Ah ouais, j'étais un professionnel de la glande. Il y avait toujours autre chose à faire. Hop, une petite boulette sur le bureau que je lance dans le panier, dans la... Corbeille, aller faire chez son petit frère, aller regarder un nouvel épisode de Dragon Ball Z. Il euh, y avait pas de tuto à regarder en plus hein, sur YouTube. YouTube, ça a été lancé en 2005. Il euh, y avait deux, trois tutos, mais c'était dans une dans un anglais euh, un peu compliqué. Je parlais pas anglais à l'époque, euh, ou alors c'était dans une langue inconnue. C'était des trucs euh, en 240 pixels, des tutos où tu comprends pas. des trucs où le mec te parle, déjà tu tu sais pas, tu sais pas ce qu'il dit. <laughs> Donc euh, bon, bref. Euh, J'arrive ce jour-là avec euh, ma présentation Ubisoft. Et bon, comme je vous dis, hein, j'étais content de moi-même, j'avais réussi à créer quelque chose. Et euh, les trois quarts, euh, comme c'était des glandeurs, ils n'avaient pas ramené de projet. Donc moi, j'étais content, je pensais que tout le monde allait ramener un projet. J'avais ramené mon petit truc. J'ai fait ma petite présentation devant les mecs qui sont calés et qui te taillent alors qu'ils n'ont pas fait de projet. Mais voilà, ils te disent Ouais, non, tac, c'est pas ça, c'est pas terrible ça, tatatin. Ouais, mais bon. Donc toi tu dis rien, hein. tu dis forcément tu dis rien. Tu dis ok bon, euh, montre-moi déjà ce que tu sais faire. Oh, le mec a une rapide ébauche, tu vois, de, de son projet. Tiens, j'ai quand même fait ça et tout. Mais le truc claque déjà, quoi. Le truc, oh putain, ça, ça déboîte. Il y a une composition en place, c'est dynamique, les plans sont clairs. Le mec, il n'a pas cinq images, il en a une, mais par contre, ça déboîte. Ah, il en a une, ça déboîte. Moi, j'ai cinq images. Il bah, y a un petit poisson, ou, enfin, il y a un petit poisson, je dis n'importe quoi, je confonds avec un autre projet. Mais bon, il y a deux mecs qui se battent en duel, t'as vite fait une explosion verte, tu comprends pas ce qui se passe, je vais vous montrer, vous allez rigoler quand même. Je vais vous montrer mes premiers projets juste après là, dans pas longtemps, vous allez rigoler. Euh, ça mouline un peu là, j'espère que vous n'avez pas de problème de direct. Que... Bon. Dites-moi dans les commentaires si ça mouline un peu, parce que je vois que sur mon écran, euh, ça mouline. J'aimerais pas que vous loupiez. Euh... Ma petite histoire. <laughs> enfin, du moins, j'aimerais pas vous perdre. Donc dites-moi dans les commentaires si ça lag un peu temps en temps, s'il y a un temps de lecture, je sais pas, si ça charge. Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Je poursuis en attendant vos retours. Euh, donc bref, je crée quelque chose de horrible. Je suis content de moi-même, mais bon, c'est dégueulasse. Je vais vous montrer mes premiers projets. Ah, J'attends vos retours, je bois un petit coup et on va repartir. Qu'est-ce que tu me dis, Béranger, ça coupe de temps en temps, mais ça va. Ah je suis désolé. Hein. Bref, faut que j'arrête de dire bref. Euh, J'ai tellement à kiffer aussi la série, bref, <laughs> c'est trop drôle. Euh, bref. Du coup, j'arrive, je présente mon premier projet. Attention, je suis chaud. J'ai ma présentation, j'ai mon texte, je suis devant le tableau. Il y a les 30 élèves qui me regardent. J'envoie ma clé sur le rétroprojecteur. Bam Attention, on n'est pas dans Star Wars, mais pour moi, j'ai été presque en tout cas. <laughs> Donc, regardez-moi ça et dites-moi dans les commentaires ce qui vous dérange. Le premier truc qui vous saute aux yeux. Salut, Janine. Tu viens de nous rejoindre je suis content de te compter parmi nous. Donc, ça voilà, c'était un de mes premiers projets en deuxième année. Donc, euh, sachant qu'on fait déjà des stages, on est déjà censé es es opérationnel en entreprise. Enfin, bon, on demande quand même un certain niveau. Tu présentes ça comme jeu pour Ubisoft Dites-moi tout simplement dans les commentaires ce qui cloche ici sur ce photomontage. C'était mon premier projet, attention, j'en suis fier, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous pouvez le démonter. Je veux tout simplement faire travailler votre oeil, apprendre à observer, même si ce n'est pas votre style, même si ce n'est pas du tout votre euh, domaine de prédilection. L'œil. Voilà, ça se passe ici. Ah ouais, c'est flou. Euh, essaye d'augmenter la... Le réglage. Euh, dans le petit rouage. Tu te mets en... Qualité Je suis en 144 pixels. Ah oui, non, c'est pour le... Le lag. Euh, mais bon, mettez-vous en 1080 ou au moins en 720p. Voilà. Ça, c'est des notions de définition. Euh, vous êtes censé plus ou moins les connaître. Euh, tout à l'heure, je vous disais que je regardais des vidéos en 240p. Donc, euh, cliquez sur petit rouage, vous allez voir ce que c'est que 240 pixels. Euh, donc, Laurent, tu me dis le détourage et les ombres. Alors, euh, le détourage déjà, ouais, c'est le premier truc sur lequel j'ai essayé de m'appliquer, d'incruster en fait mon élément, donc t'as pas tort. Euh, le premier truc qu'on vous demande déjà c'est d'avoir un détourage propre. Pour un débutant, je dirais que c'est ce qu'on demande. C'est la base, il euh, n'y a pas de surprise. Bon, c'est pas fou quoi. Ah ok, en 1080 ça tourne mieux, je suppose, quand même. Le détourage de l'ovni en bas à gauche. Pff, mais ouais, mais t'as vu ce truc là, t'as vu cette bouse là qui commence à sortir du cadre Premier truc déjà qui devrait vous sauter aux yeux, c'est euh... qu'est-ce que tu vas raconter, mec Qu'est-ce que tu veux C'est qu -ce veux... quoi Ok, on voit un jeu Ubisoft. Euh... Déjà ta lumière, je pense que tu sais pas d'où elle vient. Donc euh, en effet, hein, moi tu m'aurais dit qu'il fallait un point de lumière sur la droite ou sur la gauche. Et ben bah, tous tes éléments sont censés avoir la lumière sur la droite ou sur la gauche. Déjà ça je savais pas. Comme je faisais en plus pas de photos, moi je Hein, J'étais je, hein, je, largué dans l'océan et je commençais déjà à me noyer. Donc du coup, euh, je rends mon premier projet, euh, je rajoute des petits effets, vous avez vu, les petits effets... Attends, on va prendre ça là, hop. Va... J'ai fait des effets de, de lumière, en fait, c'est tout simplement des effets... Euh, comment dire des effets ouais de, de lumière de, de propulsion en fait euh, pour euh, imaginer une vitesse enfin moi je en voyais dans Star Wars donc je voyais qu'il y avait des codes couleurs j'avais quand même relevé qu'il y avait des codes couleurs euh, le rouge c'est pour les méchants le blanc ou le bleu c'est pour les gentils on aussi enfin bon bref euh, il fallait au moins que les lumières coïncident tu vois qu'on comprenne que les méchants c'est un tel que les gentils c'est un tel euh, la lune en arrière-plan bah c'est bien mais euh, c'est ça que tu veux montrer, c'est ça ton action principale, c'est la lune avec un vaisseau qui vient. Ou alors tu aurais aimé dire que, toi avec un peu de recul, la lune elle est là et en fait le mec se fait une course poursuite autour de la lune. Et en fait là où il arrive, juste devant la caméra, pas ici, là, c'est le moment pendant la course poursuite. Donc il aurait peut-être fallu réduire un petit peu euh, la lune, cacher un ou deux gros vaisseaux quand même énormes derrière la lune. Genre le mec c'est échappé euh, du vaisseau mer et euh, voilà il prend la fuite et il est euh, poursuivi par euh, les méchants au moins ça c'est une histoire bon moi j'ai présenté le truc euh, voilà c'est une bataille intergalactique il euh, y a les gentils il y a les méchants euh, voilà sachant que le mec mélange quand même <laughs> les euh, vaisseaux de star wars avec star trek <laughs> tu vois là il y, y a un petit souci quand même donc ça aussi, il faut faire des recherches. Moi, tu m'aurais dit qu'il fallait prendre un crayon. Tu fais une recherche visuelle, une recherche d'identité. Tu travailles sur un jeu Ubisoft, tu travailles sur un projet Atlantide. Forcément, tu ne vas pas aborder la même thématique. Tu es sous l'océan avec des sculptures euh, antiques, des, des sculptures grecques, romaines, peu importe. Voilà, des marches, euh, des, euh, des musées euh, déconstruits, enfin des ruines, ok Là, ça se passe sur... Enfin, dans... dans... Je trouve plus mes mots là, ça fait euh, Du coup, là, c'est un, un jeu Ubisoft. Tu te retrouves dans l'espace avec des vaisseaux. On est censé comprendre direct ce qui se passe. Normalement, moyen de texte, mieux c'est. Voilà, t'es pas censé expliquer pour que les gens comprennent. Bref, ça c'était mon premier projet. On va arrêter de le regarder parce que je peux plus le regarder. Et euh, donc, ça c'était surtout la première image en fait que j'ai faite. Et quelques semaines après, je poursuis mon projet avec cette deuxième image. Donc là, je savais qu'il fallait faire un peu de composition. Euh, du coup, au lieu de refaire le premier projet, bon, je fais vas-y, on s'en fout, on passe direct au deuxième projet, euh, deuxième image. Et euh, je récupère le même vaisseau. Et euh, voilà, je récupère surtout une super image sur le net. C'est pour ça qu'elle fonctionne bas, bien à la base et qu'elle fonctionne un peu moins bien après. Et tout simplement parce que j'ai rajouté mes petites cochonneries qui ne sont pas du tout maîtrisées. Donc, euh, tu un super vaisseau qui arrive sur la droite. Déjà, c'est un vaisseau qui doit adapter. Euh, je sais pas, moi, euh, 1960, je sais pas, 1960, j'y connais rien en vaisseau, mais euh, c'est un beau vaisseau en tout cas qui a l'air euh, un peu ancien avec un vaisseau futuriste. Ok, tu peux mélanger un petit peu les deux, genre euh, pirate euh, contre l'armée, tu vois, je sais pas, quelque chose comme ça. Et enfin euh, bon, le premier truc qui me choque, c'est sûr, c'est les lumières. Là, dites-moi dans les commentaires ce que, à chaque image, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et euh, surtout les principales erreurs que vous relevez avec votre oeil à vous. Et euh, du coup, ma première image, euh, ma deuxième image, voilà, j'essaye je, d'incruster euh, et de travailler surtout mes effets d'explosion. Euh, pour moi, les explosions, c'est quelque chose, euh, c'est le premier effet que tu pouvais mettre en place, quoi. Il y a du feu, il y a des éclairs, il euh, y a de la poussière atmosphérique, il euh, y a des effets de vitesse, des explosions, j'en sais rien, il y a plein de trucs à mettre en place. Mais au moins, j'avais compris qu'il fallait deux couleurs, à savoir le vert pour les gentils, le rouge pour les méchants. Donc, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, mais tu vois que la grosse bouse verte là, bah, ça c'est pas possible. J'ai tout simplement joué en fait avec les modes de fusion, et puis j'en ai trouvé un. Je dis, tiens, bon, pff, ça passe. Ça passe à tes yeux, Alex, mais ça passe pas aux yeux des autres. Donc, euh, bref, j'ai pas eu une super note là-dessus, comme vous pouvez vous en douter. Et euh, j'ai fait cette image là après. Donc, pour finir mon projet, cette troisième image, donc il y a certaines choses. Ont commencé à se mettre en place, sachant que donc j'ai incrusté mon usine en arrière-plan, vous voyez là, et j'ai mis mes deux mecs de je crois que c'est Gears of War 5, il si me semblait. Ouais, Gears of War 5, je pense. Euh, je sais plus, j'ai un doute. Euh, enfin, bon, j'ai compris en tout cas que les mecs regardaient en l'air, donc du coup, il fallait créer. Il fallait créer quoi Dites-moi dans les commentaires ce qu'il fallait créer en termes de composition, sachant que les mecs doivent regarder en l'air, le point de vue de la caméra doit être. Dites-moi ça dans les commentaires. Je bois un petit coup parce que j'ai extrêmement soif, mais dites-moi dans les commentaires quelle vue c'est et qu'il fallait choisir pour pas se tromper, pour bien intégrer ces gars. Dites-moi ça. C'est la base, moi la composition, on ne parlait pas, on me disait pas. Enfin si j'avais un peu de cours de composition, mais comme c'était le matin, en théorie, j'étais pas trop là. Non, si je déconne, je venais quand même, mais euh, bon, j'avais du mal en fait à assimiler toutes les connaissances que je devais assimiler et je retenais ce que je pouvais retenir. Donc, je fais un peu le fanfaron comme ça, mais j'assistais quand même au cours euh, de temps en temps. <laughs> et enfin, bon, quand j'étais là, j'étais là et euh, j'essayais d'apprendre sérieusement. Dites-moi tout simplement ce petit souci là que vous voyez, euh, ce qu'il fallait donc mettre en place de composition dites-moi sur la photo là on est en plongée ou en contre plongée les gars bon, euh, je vais vous le dire hein, dites-moi quand même on est en plongée ou en contre plongée si vous, vous trompez là dessus faut voir la base allez faites pas les endormis faites travailler votre oeil il ya que comme ça que ça se passe faites travailler votre oeil essayez de comprendre essayez d'observer pour mieux retranscrire il ya que comme ça que ça marche travailler votre cerveau, puis votre oeil C'est l'inverse, c'est pareil. Vous avez compris Vous fait travailler votre oeil pour combien, pour bien comprendre. C'est pas très lisible. Ah merde Ah putain, chier. Suis... Excusez-moi avec les gros mots. Euh, ça, putain, alors ça par contre, je peux rien y faire. Euh, J'ai bien calibré la dernière fois. On a eu aucun problème pour le live. Je... Ah, si vous voyez pas très bien, c'est compliqué ça. Je suis vraiment désolé, normalement c'est bien paramétré. Après, je sais qu'on est beaucoup à faire du live à cette heure-là sur YouTube. Je sais pas si ça joue. Je sais pas, je travaille pas chez YouTube. Dites-moi si vous, vous travaillez chez YouTube. <laughs> voilà. Euh... C'est peut-être à cause de ma connexion tout simplement. Bah d'accord, Bérangère. Bah dites-moi les autres, vous dites-moi les autres si c'est euh, si lag ou si c'est flou, si vous arrivez à comprendre un petit peu l'image. Parce que ça m'intéresse quand même si je, suis... je... vous raconte des trucs mais vous, vous voyez rien. En plus j'ai extrêmement chaud. <laughs> j'ai deux lampes là, j'en ai une ici, juste en face de moi, j'en ai une à droite pour bien que vous me voyez, parce que j'ai tiré le rideau, sinon il y a le soleil, et ça c'est pas possible. Donc dites-moi si les autres vous avez des problèmes aussi de connexion ou pas, j'espère pas, ça m'embêterait. Vous êtes encore là Je suis tout seul. Et bon. On va quand même passer à la prochaine, vous me dites pas, donc... Euh il y a un petit souci de point de vue là sur, euh, sur la photo. Enfin, non, euh, il n'est pas si problématique que ça, mais il aurait pu être un peu mieux. Euh... Donc, bref, on est en contre-plongée euh, sur cette photo. Euh, c'est quelque chose que je commençais à comprendre. Vous voyez le vaisseau là, j'ai bien. Enfin, j'ai plus ou moins fait attention de le prendre euh, en dessous. Euh, voilà, j'ai regardé mes vaisseaux, je me suis dit, bon, ça semble cohérent. Euh, le petit souci après, c'est les problèmes d'échelle petit, j'ai un problème avec la visualisation. Ah, euh, Pitrus, citrus. Je sais pas si, après, sur la rediff, euh, la qualité sera normale. C'est possible que la qualité soit meilleure euh, sur la rediffusion. Bref, on va passer à la prochaine image. Donc vous, vous dites bien que j'étais quand même plus ou moins fier de ce petit photomontage. J'avais créé des petits effets de couleur vert là sur l'explosion. J'étais ravi. Ça déboîtait, ça claquait. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Et puis après, j'ai eu un cours où il a fallu tout simplement créer un photomontage sur son film préféré. Donc moi, mon film préféré à l'époque, c'était... Enfin, un de mes films préférés, hein, parce qu'il a fallu quand même en choisir un. Donc... Mon film préféré à l'époque, que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, que j'ai regardé et re-regardé, c'était American History X. Attention les yeux, ça va faire mal. Bam Oh putain <laughs> Donc voilà, un film avec Edward Furlong, Edward Norton. On devait tout simplement comprendre que c'était une affiche de cinéma, donc il fallait mettre en avant les personnages principaux de l'histoire et qu'on comprenne plus ou moins de quoi il se passe. Donc qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai tout simplement été choper la fiche du film sur le net. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dessus. Donc je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mettez-la si vous le souhaitez. Euh, C'était tout simplement Edward Norton avec Edward Furlong euh, bah, comme, comme ils sont là maintenant. Sauf qu'en fait ça, je l'avais dessiné. Ça, vous le voyez en noir et blanc. Là, je l'ai dessiné à l'encre de chine, il me semble, à l'époque. Que j'ai scanné et que j'ai intégré dans Photoshop. Donc, déjà, vous voyez que ça commençait à cogiter là-haut. Là, je me suis dit, attends, il y a moyen d'intégrer pas mal de choses. On peut intégrer des dessins. Je dessine super bien, enfin, du moins, j'ai l'impression. <laughs> J'avais l'impression, euh, sachant que c'était aussi une école de dessin. On faisait aussi pas mal de dessins. Donc, bon, bref. Euh, je dessinais pas. Excusez-moi pour le téléphone. On va le mettre en silencieux. Et euh, du coup, voilà, en fait, euh, je chope l'affiche du film. Et là je suis lancé. Moi c'est exactement ce que je veux faire, je veux faire des affiches de films. Donc du coup, bah, j'essaie de créer un format. Déjà, un format d'affiche de film, il faut, faut les connaître. Moi, je ne les connaissais pas. On m'a jamais dit, tiens, il y a le format A4, il y a le format A3. Ça, c'est plus prédisposé à mettre tel document en valeur. Une affiche de film, bah, c'est généralement à la verticale, comme un portrait, parce qu'on présente généralement des personnages. Donc on met en avant un personnage principal et derrière, on met d'autres personnages. Ou alors, je ne sais pas, moi, bon, un arrière-plan, qu'on le retrouve plusieurs fois dans le film, comme une maison hantée, j'en sais rien, ou un château, ou peu importe. Et j'ai voulu créer en fait cet effet horrible. J'étais parti sur un effet de particules de fumée, vous voyez. Euh... Donc c'était censé partir du blanc et du rouge, voilà, et s'atténuer tout doucement sur les extrémités. Euh, à l'époque, j'avais pas de tablette graphique, donc j'ai fait ça à la souris. Et il est fort possible que j'ai... J'avais pas de souris au début et que j'ai fait ça au pad. Parce que vu la bouse que ça donne, je crois que je l'avais fait même au pad. Au début, je venais tout juste de comprendre qu'il était possible d'utiliser des brushes. Et voilà, je voulais créer en fait un effet de fumée où il y aurait le drapeau américain qui disparaîtrait dans la fumée, qui se reformerait avec la fumée. Enfin bon, vous voyez bien que je suis passé à côté. Euh, donc, euh, bon voilà. J'avais quand même intégré euh, mon personnage principal, j'étais content. J'avais surtout intégré plusieurs typos. Donc, là, le mec est chaud bouillon, mais plein de typos. Edward Fulong, une première typo, qui est la même qu'Edward Norton. Ensuite, deuxième typo sur American History X. Le titre dégueulasse, de loin on comprend rien. Euh, voilà, le américain, on a du mal à le lire quand même. Euh, bon, histoire, pourrait passer, mais... Euh, enfin, il est moche, vous voyez, hein, là, il y a un bisotage, moi je le vois tout de suite, hein. J'ai un bisotage sur les lettres, ça, c'est kitsch, kitsch à c'est mort, c'est dégueulasse, ça, vous faites pas. Ou alors, euh, pas comme ça, ou plus léger. Si, Dites-vous que si vous aimez bien un effet, bah, réduisez-le au moins de 50%, vous regardez à quoi il ressemble, vous demandez l'œil de quelqu'un, et au pire, vous augmentez tous les 10%, c'est tout. Euh... Mais mettez-le jamais à 100%. C'est souvent dégueulasse. C'est souvent même si vous voulez, en fait, vous aimez un effet à 100%, et ben dites-vous que si vous l'aimez, qu'il fonctionne bien à 100%, ben vous le mettez à 90%. Vous le mettez à 90%. Euh, vous réduisez tout le temps pour qu'il soit plus léger, euh, même si vous l'appréciez cet effet. Il déboîte, il claque, il ressort bien, il révèle tout mon travail. Et ben vous réduisez. Vous réduisez parce qu'aux yeux de certains, il va toujours être trop intense. C'est simple, on a tous un œil différent. C'est normal, on fait travailler notre œil. Et euh, moi aussi, j'adore ce film, Béranger, il est excellent. Et euh, voilà, donc j'ai voulu le mettre en avant. Et euh, je savais pas du tout jauger mes effets. Et je les mettais comme un bourrin à 140%. Bam, bam, bam. Euh, je les même, je les multiplié. Je, je multipliais les couches en fait pour qu'ils soient bien impactants. Avec du recul, j'aurais fait passer maintenant. Vous voyez, je l'ai fait un peu passer par-dessus là. Oh enfin, bon, la diffusion est dégueulasse. Euh, faut que je m'enlève ça. Enfin bon, bref, j'étais tout content parce que j'avais mis mes petits logos et ça faisait vraiment affiche de film avec tous les textes où j'avais fait un copier-coller. Vous savez, mon fameux copier-coller dont j'étais super fier en arrivant en deuxième année. Bon, là, il a servi. J'ai collé mon petit texte en dessous. J'ai une note plus ou moins correcte parce que ma prof, elle avait un, un niveau plus ou moins correct. Voilà, tout simplement. Je vais passer euh, là-dessus, mais en fin de compte, je me suis euh, rendu compte qu'en fin d'année, je commençais à avoir un niveau supérieur à ma prof <laughs> bref j'arrive sur un troisième projet euh, où en fait on doit refaire une sorte d'Atlantide euh, je sais plus euh, le thème exact euh, c'était pareil à Atlantide mais il fallait recréer en fait une civilisation sous-marine c'est exactement dans le même style qu'Atlantide donc là je me suis dit ok chaud bouillon j'ai le découpage qui commence à être en place, je commence à comprendre. Maintenant, il faut que je travaille mon incrustation. À savoir comment ajuster tous les éléments pour qu'ils coïncident, qu'on ait l'impression que c'est la même prise de vue et que surtout les éléments sont sous l'eau. Donc là, j'avais compris qu'en fait, il fallait plus ou moins teinter en bleu les éléments. C'est normal, hein vous allez sous l'eau, c'est bleu. Ouvrez les yeux ou, euh, sous l'eau, enfin moi je l'ai fait, j'ouvrais beaucoup les yeux euh, dans l'eau quand j'étais gamin, c'est bleu, mettez une canette dans l'eau, elle sera bleue. Donc euh, voilà, tous les éléments sont teintés bleutés dans l'eau, dans l'océan, voire un petit peu cyan, un petit peu vert. Voilà, tout dépend de l'eau, du style d'eau en fait que vous les rêvez. Ça aurait été un marécage, je serais passé sur des couleurs plus jaunâtres, plus verdâtres. Si c'est les Caraïbes, forcément ça s'attend à avoir un bleu turquoise, donc ça aussi, ça doit y jouer. Euh, voilà, enfin bon, j'en étais pas encore là à l'époque, mais j'étais plus sur l'incrustation, voilà, mettre en place mes éléments, et surtout, voilà, je voulais faire passer euh, mes ruines derrière les, je sais quoi, ça c'est les coraux, hein. ça doit être la barrière de corail, je sais pas où j'ai chopé ça. À l'époque, je prenais au, au hasard mes photos en ligne, hein. euh, donc voilà, je téléchargeais mes photos en ligne et j'incrustais ce que je pouvais comme je le pouvais. Et surtout, j'essayais de demander moins de conseils à gauche à droite, parce que, euh, bon... T'as pas envie de passer pour le mec lourd de service, quoi, le mec qui, euh, qui, raconte, euh, qui raconte sa vie, tous ses problèmes sur Photoshop. Enfin, c'est exactement ce que je suis en train de faire, en fait. Euh, donc du coup, euh, je commence à comprendre deux trois trucs en place. Je mets mon petit logo pour faire bien professionnel, tu vois. En même temps, c'est ce qu'on nous demandait, hein, à niveau euh, professionnel. Et surtout, voilà, bon, ça galérait un petit peu, mais je commençais à comprendre qu'il était possible de voilà, qu'en posant plusieurs calques. Sur mes calques inférieurs, à savoir sur mes calques ruines importées Bah j'allais créer la même euh, ambiance graphique à savoir là en l'occurrence je parle du jaune vert euh, Enfin plutôt bleuté même euh, de l'eau Du coup je me suis dit tiens si je rajoute du bleu, des, des filtres bleus Ils vont se mettre sur mes ruines, ça va les teinter bleus On aura l'impression qu'ils viennent de la même image Et que c'est pas un, un bordel de plusieurs images quoi euh, Du coup... J'avais pas remarqué aussi certaines choses, à savoir que bon, là, c'est une qualité d'image plutôt médiocre. Euh, je savais pas qu'il fallait regarder les dimensions, il fallait regarder la résolution pour que les pixels puissent coïncider en termes de définition. On m'avait pas dit ça. Si tu prends une image de départ qui fait 600 pixels et que tu intègres des ruines comme ça qui sont en 1200 pixels, bah forcément, tu vas avoir plus de netteté sur tes éléments importés sur tes ruines. Alors qu'il vaut mieux privilégier une putain une grande image dès le début, et ensuite intégrer des, petits, des petites photos, là, des petites ruines à 600 pixels. Vous avez une image qui fait 1200, bah vous allez incruster une petite partie de votre image, donc du coup, là, vous pouvez avoir un 600 pixels, mais pas faire l'inverse. Alex, t'es pas logique dans ta, tech, dans ta tête, <laughs> t'es pas logique, et c'est ça en fait, j'étais pas logique dans ma tête, je ne comprenais pas en fait le processus, ta base, c'est censé être un bon document, on m'a pas appris à créer un bon document avec une largeur, une hauteur qui coïncident pour tel format, c'est-à-dire à savoir créer une illustration. Si tu crées une illustration, forcément ne va pas avoir le même format, la même taille qu'une affiche de cinéma ou un ou une bannière pour un web, pour un site web ou encore pour smartphone. Chaque support en fait a ses dimensions et ses obligations, donc il faut les connaître. Et moi je les connaissais pas. Donc, euh... enfin bon voilà, je galérais, un truc de dingue. Mais je commençais à comprendre deux, trois choses qui commençaient à se mettre en place. Et euh, bon, c'était pas la folie, mais au moins je commençais à reprendre confiance en moi. Et du coup, il y a d'autres projets qui sont venus, d'autres projets plus stylés, où là je me suis dit, tiens, comme je suis plus à l'aise avec le dessin, je vais censer cartonner un petit peu plus. Sachant que je sortais un petit peu aussi d'art plastique, donc euh, s'il fallait mêler des textures, les scanner, tout ça, bah, j'étais chaud. Je savais pas me servir d'un scanner. À l'époque, mais euh, voilà, j'aurais demandé à, à quelqu'un tac, t'appuies sur le bouton, tu me scannes mon truc. Bon, avec les mois, j'ai quand même appris à scanner du coup. Et on m'a demandé de réaliser une chimère sur un photomontage style papyrus. Donc là, il fallait créer un papyrus, qu'on ait l'impression que c'est une texture de parchemin, que le papier a été usé. Donc il fallait pas choper une image sur internet, mais plutôt le fabriquer et montrer comment on l'avait fabriqué. Donc là, j'ai tout simplement attrapé une feuille que j'ai laissé tremper dans du café et du thé. Pendant plusieurs jours, quelques heures, on suffit pour voilà que je fasse ça. Donc voilà, j'ai fait des tasses, des tasses avec des, j'ai fait des tasses avec des tasses, pardon, c'est <laughs> dur à dire celui-là. Et j'ai tout simplement voilà dessiné un, une chimère en squelette. Donc il fallait vers... il fallait créer la version squelette, euh, mais expliquer avec du texte. Donc il fallait incruster du texte, il fallait. Voilà, tracer des lignes pour montrer à tel endroit, il fallait que ça fasse plus ou moins pro. J'avais brûlé, je me souviens, les contours comme ça, pour que ça fasse bien par chemin. Enfin bon, j'avais lutté, j'étais content, j'étais fier de moi. J'avais créé de belles ombrages comme ça, que j'avais repris après dans Photoshop. Euh, voilà, ça aussi, c'est des choses que vous êtes censé faire sur, sur Photoshop, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans Photoshop, et ce serait dommage, je trouve, de passer à côté. Et j'espère que vous voyez les détails, ça m'embêterait si vous passez à côté des détails. Donc du coup voilà, ça c'était la version squelette. Et comme bah voilà c'était des cours poussés, on est censé reproduire exactement la même chose. Sans la version squelette. Donc là en fait euh, c'est une tête de gorille. Euh, je crois que c'est euh, une tête de gorille avec une queue de crocodile. J'ai des pattes arrière de tigre. Euh, voilà. Ah oui, c'est une tête de lion, je crois. Euh, enfin bon, j'étais euh, content de moi. Euh, et du coup je crée la version euh, sans squelette. Et ça donne ça. Voilà. Donc là, j'avais bossé encore un peu plus. Je crois que je l'ai recommencé au moins 5 ou 6 fois le dessin, avant bien sûr de travailler sur euh, tout le détail pour que ça fasse papyrus. Euh, je crois que j'avais remis une tête de crocodile finalement, euh, une tête de gorille et un cou. Voilà. Et en fait, j'ai mis un. C'est un corps de lion. Oups. Ouais, c'est ça. C'est un corps de lion que j'ai fait avec une tête de gorille et une queue de crocodile. Donc j'étais quand même relativement content de ma queue de crocodile que j'ai recommencé et recommencer. Je sais pas combien de fois. Euh, donc là, c'était mon prof en caractère design qui m'aidait à créer une belle structure intéressante et que mon personnage puisse fonctionner. Vous voyez que j'avais appris à créer des éclats de lumière, à créer ce qu'on appelle la backlight, la lumière en arrière pour donner plus de volume. Donc c'est la lumière en fait que j'ai à droite. Bon, elle est pas en backlight, elle est juste en side, side light sur le côté. Euh, mais du coup, ça permet d'avoir plus de volume et de révéler mon côté droit. Voilà, ça aurait été mieux d'avoir une lumière sur la gauche, mais j'ai pas assez de place, pas assez de lampe. Euh, du coup voilà c'est des notions que j'ai apprises en cours euh, et que j'ai exploité pendant mes nuits blanches parce que j'ai fait énormément de nuits blanches pour rattraper mon retard je pense pas avoir assez euh, parlé de ça mais j'ai fait énormément de nuits blanches vous imaginez pas euh, ça m'arrivait de pas dormir pendant deux jours pour arriver avec un projet qui tient la route. J'ai lutté, franchement, j'ai lutté. Je me suis accroché. Euh, J'arrêtais pas de recommencer, de recommencer, de recommencer. -re ma mère venait me voir pour me dire "Alex, éteins ton ordinateur, lâche ton bureau, lâche tes dessins, va te coucher." Moi, j'étais plus souvent sur l'ordinateur. Euh, C'était plutôt en prépa où j'étais sur euh, le dessin. Et euh, bon, voilà, j'ai euh, nu blanche et nuit blanche et nuit blanche et sur nuit blanche. J'ai jamais été aussi crevé de ma vie. Enfin, si vous avez passé des concours, je pense que vous savez un petit peu de quoi je parle. Bref, les mois se passent et là, je commence à me dire que... Alex, tu peux envoyer du pâté, essaye de travailler sur un projet, euh, comment on a, vous vous souvenez le film avec euh, Will Smith, là, où il est tout seul, en, euh, ah, bah, ça s'appelle Légende, I Am Légende, je crois, donc on était parti un peu sur ce style-là, même si le film n'était pas encore sorti, forcément, je crois qu'on est toujours en 2007, sur ma deuxième année, et là, bam, j'envoie ça Donc, euh, vue New York, euh, sur le pont de Brooklyn, il me semble, euh, image, pareil, chopée sur Internet... Et euh, voilà, j'envoie du lourd, je viens d'avoir ma palette graphique, et je commence à essayer de paramétrer mes broches pour justement euh, bah créer cet effet d'herbe sur le métal. Sauf que Alex, bah tu kiffes, quand tu kiffes un. un quand, voilà, quand tu aimes un effet, bah tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes et tu le répètes. Mais t'as pas l'impression de le maîtriser en fin de compte. Avec du recul, tu vois bien que le mec il maîtrise pas son effet, euh, c'est trop, c'est beaucoup trop, et on comprend plus les formes, on comprend plus rien. Le mec a tellement repeint qu'on voit même plus les vitres des, des buildings. Euh, on voit plus les antennes, euh, on voit pas la destruction des, euh, des étages. Euh, voilà, tout ce qu'on voit, c'est euh, que j'ai changé de ciel. Donc ça aussi, ça commençait à venir. Je voulais faire un gros effet de brouille. Alors, il y a une reconnexion sur mon logiciel de capture. J'espère que ça vous fait pas bugger, je suis désolé. Je déteste ça, les problèmes techniques. Parce qu'en plus, j'ai tout fait bien. Hein. <laughs> Bref, dites-moi tout simplement dans les commentaires si ça suit toujours. Euh, J'espère, voilà. Il y a quand même une belle progression. Euh, bah j'espère <laughs> euh, sur le moment on a l'impression de progresser euh, on progresse toujours de toute manière on progresse on progresse euh, ça commençait à arriver mais ça a commencé à arriver mais je ça, ça manquait sérieusement de maîtrise ça manquait sérieusement de maîtrise vous voyez que la bike light là vous la voyez la bike light là j'avais bien compris ça hein. ça je trouvais ça trop stylé on m'a dit ta bike light c'est ta lumière arrière souvent bleutée qui révèle en fait la lumière de la lune ou euh, autre lumière euh, qui, qui ne serait pas naturelle. Bref, euh, du coup, euh, bike light bien bleuté, euh, sauf que je connaissais pas mes couleurs, vous savez. Euh... Là, je l'ai fait au pif, hein. j'ai mis du vert avec du magenta, c'est les couleurs complémentaires, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que des couleurs complémentaires. Hein. Les couleurs tertiaires, euh, je ne savais pas ce que c'était, hein. j'étais un peu comme le Gus, là, 4 euh, euh, couleurs primaires, vous savez, là, les, les L5, euh, quadricolores, qui avaient sorti à l'école, euh, à l'époque, sur M6. Euh, quadricolores, quatre couleurs primaires, ça avait fait le tour de M6 à l'époque. Euh, voilà, donc les couleurs primaires... Que Nini, je savais pas, j'avais oublié, j'avais fait ma prépa pourtant, j'avais fait mes cours de peinture, tout ça, mais bon, j'étais un peu passé à côté. Donc, du coup, j'ai dû me reformer là-dessus, à re remettre en place les notions de base, les notions essentielles, connaître les couleurs primaires. Je mets du bleu, bah tiens, je vais mettre du orange pour révéler mes couleurs, pour bien que ça sorte, pour bien que ça pète. Ou euh, je mets du rouge, voilà, avec du bleu, je travaille sur des couleurs complémentaires, je fais attention aux couleurs que j'utilise, et je fais pas au pif. Moi, je faisais au pif. C'est simple. Sur les modes de fusion, vous savez la flèche du bas, là, vous mettez sur le mode de fusion, le premier mode de fusion que vous avez, je crois que c'est fondu, bam, 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 je fais ça jusqu'en bas pour voir jusque voilà si j'arrivais à avoir un effet sympa. Ah oh, super, un effet sympa. Bon bah, tiens, je vais le multiplier par deux, p'tac. Euh, je baisse pas l'opacité, je baisse rien. Ça déboîte, ça déchire. Hollywood <laughs> Ben non. Euh, bref. Du coup, je commence à prendre la confiance. Mais surtout voilà, je bosse, je bosse, je bosse parce que je prends plaisir. J'étais pas vraiment encouragé, on ne peut pas dire qu'on m'encourageait, mais on m'a dit on voilà. Si tu bosses, tu auras le résultat. Donc euh, bon voilà. J'ai bossé, j'ai bossé. Offrez-vous un petit bijou. Voilà, moi bon, j'avais ma petite euh, tablette graphique à l'époque qui faisait un petit carré comme ça là. Euh, bon, euh, je ne l'ai pas haché. C'est simple, j'avais même des crampes à la fin là. Vous savez, dans les doigts, là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais euh, en fait, quand je lâchais mon stylo... Bah mes doigts ils avaient du mal à qui ça, à ressortir, à se tendre. Tellement je restais des heures. En plus j'étais dans les combles. Ma chambre c'était dans les combles. Il faisait 30, 40 degrés là-dedans. Toute la nuit je bossais, je... Je lâchais pas. Et enfin bon voilà, j'ai bossé, bossé, bossé parce que je partais de rien et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Et voilà, je reprends ce projet-là quelques semaines après et je me dis Alex. Vas-y, sois plus léger, euh, essaye de travailler sur une vue un peu plus de plus près en fait pour qu'on voit ton détail. Euh, pour travailler dans le détail. En fait, en arrière-plan, vous n'êtes pas obligé de révéler au maximum les détails. C'est juste en suggérant un maximum sur le premier plan que l'œil va se dire Tiens, il bah, y a les mêmes détails, il y a la même structure en arrière-plan C'est euh, bon, voilà, une petite astuce qu'on utilise en concept art. Euh, vous détaillez beaucoup, enfin plus les premiers plans, et plus vous arrivez sur l'arrière-plan, bah, euh, moins il y a de détails. Voilà. Donc du coup, je fais celui-ci et je travaille beaucoup sur le premier plan. Euh, je travaille sur... Euh, bah, pareil aussi sur des effets de particules. Pareil dans un style de, de végétation luxuriante. Ouais, la végétation qui prend euh, le pas sur, euh, sur les immeubles, sur, euh, sur la ville. Voilà, on est en mode euh, apocalypse tropical. <laughs> Et euh, bon, voilà, du coup, je commence à faire sortir deux trois branches sur les côtés. Je laisse un petit peu plus d'espace. Je mets même des particules un peu dans l'air pour voir qu'il y a tout simplement des feuilles qui s'évaporent. Et, euh, et voilà, je me dis que ça commence à arriver. Je commence à dessiner des nervures tout simplement pour simuler euh, les craquelures. Donc, je me dis, voilà, il faut bosser le détail. Tiens, faut assombrir un petit peu parce que forcément, il y a un effet de profondeur. Donc, plus tu renforces. Avec tes traits en noir, ben plus tu auras l'impression qu'il y a une profondeur. Plus il y a de blanc, plus tu as l'impression que ça prend la lumière et ça ressort que c'est mis en avant. Donc ça, ça commence à arriver tout doucement à être en place. Et moi, je vous le dis, mon kiff, c'était tout simplement de réaliser des affiches de films. J'étais très très film, je suis encore beaucoup beaucoup film. Je peux pas passer une journée sans regarder un film, c'est pas possible. Et voilà, euh, on me propose un projet dans la continuité en fait de ce que je faisais déjà à la maison, à savoir travailler sur un photomontage. Euh, sur une ville dévastée. Donc là, j'avais pris Sydney. Mon kiff, c'était de partir à Sydney, chose que maintenant j'ai faite. Euh, non, c'est peut-être même pas Sydney. Ça, je sais plus. Si, je crois que c'est l'opéra, mais. Oh, je sais même plus. Euh, bref, j'ai ma petite euh, photo de ma ville. Je suis content. Et là, je commence à y aller comme un porc. Vous voyez que j'ai encore mis des particules de végétation sur l'eau. Je mets un peu de bleu, je mets un peu du vert clair, du vert foncé. Je sais pas trop ce que je fais. Je le fais, mais au moins, bon. Je me dis qu'il y a quelque chose qui se met en place. J'essaye de mettre des corbeaux. Vous avez vu les corbeaux là D'ici, on dirait des grands oiseaux, des grands aigles royaux, des trucs énormes. Les corbeaux, si tu veux les mettre en place, il faut qu'on puisse reconnaître que c'est des corbeaux. À la silhouette, là, on voit que la silhouette, c'est des silhouettes chinoises. Ou en fait, juste avec les contours, on arrive à définir euh, ce que c'est. Si c'est un homme, une femme, un enfant ou un animal, ou encore là, interactif, on ne sait pas. Mais euh, voilà, du coup. Euh, je mets en place mes trucs, mes corbeaux, sans respecter l'échelle. Donc euh, voilà. L'échelle, là aussi, on m'en a pas parlé. J'étais pas au courant. <laughs> donc euh, bon, voilà. Ça bosse, ça bosse. Mais euh, bon, c'est pas encore ça. Euh, donc là, je commence tout doucement à arriver sur la fin de ma deuxième année. Euh, mon projet de fin d'année, de troisième année, commence à se mettre en place. Je réfléchis, je réfléchis au scénario. Je mets en place mes storyboards. Et tout doucement... J'apprends Photoshop, mais attention, j'apprends, j'apprends, j'étais en mode Robocop. Hein. Je mangeais Photoshop, je dormais Photoshop, je respirais Photoshop, je ne m'arrêtais pas. Je dormais Photoshop quand je dormais, bien sûr. Mais euh, voilà, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas, je faisais que du Photoshop. Euh, C'était la base, on m'a dit, il faut que tu apprennes ça, même si tu n'utilises pas les logiciels de 3D, il faut au moins que tu saches utiliser Photoshop. À partir du moment où vous commencez à comprendre Photoshop, à penser Photoshop, alors attention là, c'est parti. Moi c'est ce qui s'est passé, j'ai commencé tout simplement à comprendre Photoshop parce que j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait à gauche à droite et je demandais plus conseils et je me focalisais tout simplement sur mon propre apprentissage. à savoir éviter la pollution visuelle, éviter les mauvais conseils qui vont te perturber. Tu te concentres sur l'essentiel, 5 outils, une interface claire, nette et précise, et là t'envoies. Tu testes tout. réglage, filtre, effet. Si je mets à plus 40 ici, si je mets à moins 40 ici, qu'est-ce qui se passe Si je change ce mode de fusion, qu'est-ce qui se passe tout ça dans la tête, ça commençait à cogiter, 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 et là je me dis, Alex, tu commences à arriver à quelque chose, ne lâche rien. Et du coup, voilà, mes progrès ont commencé à se voir, et euh, on commençait tout doucement à me demander voilà, quelques conseils. C'était pas la folie non plus, mais on commençait de plus ou moins à me demander des conseils. Voilà, comment tu as fait pour paramétrer telle broche? Est-ce que tu peux me prêter ton broche? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Est-ce que tu peux me passer telle police Parce que j'arrivais à télécharger des polices. Dafont, attention, je le tuais. Dafont, j'étais dessus H24 quand j'avais besoin d'une police. C'est gratuit, d'ailleurs, je vous le conseille toujours. Allez sur Dafont. C'est bien l'Opéra de cinéma. Merci, Janine. J'avais un doute. Je l'ai vu en plus de près, mais pas sur l'eau. J'étais pas sur l'eau. Enfin, si, j'étais sur un ferry. Euh, bref, voilà. Donc là, c'était un de mes derniers projets. Je commençais à prendre la patate. J'étais content. Et est-ce que j'en aurais peut-être un autre à vous montrer Ouais, je vais vous montrer aussi celui-ci. Alors, toi, je vais te faire disparaître. C'est pas prévu, donc je l'intègre. Euh, voilà. Ça, c'était aussi mon projet, un des projets euh, Atlantide. Enfin, le deuxième projet Atlantique dont je vous ai parlé tout à l'heure, là où je commençais tout juste à comprendre que si je mettais un filtre rouge, et eh ben voilà, tous mes éléments allaient être rouges, et on allait comprendre que c'était sur la même image, et que ça allait pas être un photomontage. Donc là, je me suis dit, tiens, bam bam bam, tu bourrines de filtre, t'envoies du gros pâté, et c'est bon, ça va passer. Sauf que non, ça passe pas. Si tu connais pas ta perspective, si tu connais pas tes points de fuite, ça passe pas. Je vous dis, je connaissais rien à la photo. Euh. Je savais un petit peu dessiner, voilà c'est tout. Euh, J'avais fait euh, pas mal de cours de dessin, de peinture, tout ça, mais des points de fuite. J'avais fait des cours de perspective, hein, mais une fois que t'es dans Photoshop, bah, tu te souviens de rien. <laughs> tout ce que t'as appris, ta théorie, tout ce que t'as appris en cours, tu l'oublies. Tu sais plus, tu sais plus de quoi tu parles. Tu sais pas ce que tu fais, tu le fais. Et t'essayes de bien le faire, c'est tout. Bon, bref. En tout cas, j'en voulais. Et... Euh, j'ai commencé à comprendre deux, trois trucs. Et bon, euh, voilà. C'est un effet hyper kitsch. Mais vous voyez, j'allais vous montrer avec mon doigt, mais non, je vais vous montrer avec la souris. Euh, vous voyez là, les... Sortes d'auréoles noires. Là, en fait, c'est un filtre de lumière que j'ai utilisé. Euh, comme s'il y avait un spot, en fait, qui avait pris une photo. Pam, sur le moment. Euh Bon, euh, je m'étais dit que ça fonctionnait bien et que ça permettait de coïncider en fait tous mes calques, tous mes... Euh, ça permettait de coïncider en fait tous mes calques. Excusez-moi, je suis en train de lire en même temps. Euh, super évolution au fil des travaux. Merci Laurent. Euh, bon voilà, je tout simplement reviens un petit peu en arrière, euh, même si es aussi là aussi sur la fin de l'année. Je commençais à comprendre ce qui se passait, et à comprendre ce qui était possible de faire. Parce qu'au début, tu sais pas, ton œil, il est. Euh, C'est comme s'il y avait un voile, en fait, dessus. Et euh, en fait, de mois en mois, ce voile, il a commencé à s'enlever. Et je me surprenais à regarder des choses que les autres ne voyaient pas, ou non, du moins, ne se focalisaient pas dessus. Je regardais les ombres au sol. Prenez n'importe quel objet au sol. Vous prenez votre petite bouteille d'eau, là, et vous la calez sur le sol, avec une lumière dessus. Et vous regardez euh, déjà l'ombre qui est projetée sur la table, sur le, le support. Et si vous mettez une lumière, bah vous allez voir des points de lumière dans l'eau, sur l'ombre. Bah ça, c'est des caustiques. Moi, je n'avais jamais appris ce que c'était que des caustiques. C'est tout simplement la réflexion de la lumière dans la bouteille qui se répercute sur les rebords et qui ressort. Euh... C'est pas la réflexion, c'est la réfraction, je crois. Euh, bref, voilà, euh, c'est des notions que je ne connaissais pas du tout. Euh, une ombre portée, je ne savais pas trop ce que c'était, c'était une ombre quoi. Euh, une embléante occlusion, je ne savais pas ce que c'était. C'est une ombre qui fait tout simplement euh, la jonction entre deux éléments. Euh, voilà, vous avez une ombre qui se crée sans lumière. Donc ça, je ne savais pas que c'était du tout possible, c'est des ondes d'impact en fait. Euh, donc ça, il faut le savoir. Moi, je ne savais pas. Et. Euh, Bon bref, euh, ça a été compliqué, ça a été compliqué parce que je partais de rien. De rien. Donc euh, voilà. Et euh, tout ça pour vous dire que j'ai commencé en fait à lâcher prise sur tous les conseils qu'on me disait parce que c'était des mauvais conseils. Même si ça venait de la part de mes professeurs, j'ai arrêté de les écouter. C'est simple, je suis allé voir leur portfolio en ligne. Euh, je suis allé voir si on parlait d'eux à gauche à droite. Je suis allé comparer. En fait, ce qui me disait avec ce que je lisais dans des magazines, parce que j'achetais pas de magazines, j'avais pas de sous à l'époque. Donc j'allais dans les kiosques, j'allais dans les FNAC pour squatter pendant des heures et lire les bouquins, lire les... les bouquins spécialisés, qui étaient même en anglais, donc je me forçais à lire en anglais. Enfin, du moins, j'essayais de me construire une culture comme je pouvais. Et euh, bon, voilà, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, euh, faut faire attention à ce qu'on vous dit, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, des choses un petit peu moins. Des fois ça peut vous concerner, des fois ça ne vous concerne pas. Et moi, bah, je me sentais pas concerné. Donc du coup, je comprenais pas. Et j'étais un sacré touriste. Un sacré touriste, comme je vous le dis hein, sur Photoshop, les premiers jours, je ne savais pas du tout ce que je visitais. Donc du coup, j'ai révisé. Je me suis concentré sur moi-même. Et je me suis dit, après mieux réflexion, Alex, parce qu'on a du mal à se remettre quand même en, considéra en, en considération, c'est ça On a du mal à, à se dire que quelque chose ne va pas. Donc. Euh, j'ai du mal à me dire que ça allait pas. Et euh, forcément, parce que tu vois tes notes, tu dis, bon, euh, t'as un petit 10, ok, c'est sympa, mais toi tu veux le 17. Hein. À la fin de l'année, il y a les mecs qui sont là, les mecs du Bistroft, les mecs de Dreamworks, il n'y a pas des mecs de Pixar, mais il y a du beau bon monde qui est là, et faut envoyer du pâté, il faut envoyer du lourd, il faut savoir déjà bien articuler, bien se présenter, avoir une bonne qualité de papier pour présenter ses photos, ses images, ses textes, une belle prestance, un beau support, il faut être à l'aise avec ce qu'on dit. Si tu ne sais pas de quoi tu parles... Bah les mecs, ils vont sourire. Ils vont se dire, hein, c'est pas possible. Tac, non, je mets une croix, c'est pas possible. Le mec, il sait pas ce que c'est que. Euh, je sais pas, moi, une prise de vue à trois lumières. Le mec, sait pas ce que c'est qu'une ambiante occlusion. Voilà, le mec, c'est pas. Euh, c'est pas affiner un masque. Voilà, il y a plein de choses à utiliser que je savais pas utiliser. Donc, comme je vous le dis, j'ai arrêté d'écouter tout ça. Et j'ai tout simplement essayé de me concentrer. Sur l'essentiel, à savoir comprendre Photoshop. Comprendre ce que tu fais. Tu le fais, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? C'est simple. Ces questions-là, je ne les avais pas, je les comprenais pas, je n'étais pas du tout dans ce chemin-là. Et euh, bon voilà, les mois ont commencé à passer et je commençais tout doucement à comprendre un peu ce qui se passait sur Photoshop et ce qu'il était possible de faire. Donc, c'est simple, j'ai mis en place une théorie. Je me suis dit, Alex, ce qu'on t'apprend, ça marche pas pour toi, t'es pas concerné, faut que tu fasses ton propre apprentissage. Donc je suis allé à gauche à droite, quand je trouvais des infos. Puis bon, au bout d'un moment, tu te fais un peu virer de la FNAC, tu te fais virer des kiosques à jour parce que tu, tu, pas, tu passes ton temps à lire les magazines gratuitement et t'achètes rien. Donc plusieurs fois je me suis fait virer. Euh, T'empruntes des bouquins à gauche à droite chez tes potes, tu te fais engueuler parce que tu les rends pas et que tu mets trois jours, trois nuits à lire deux pages. Parce que tu comprends rien, t'as pas les termes, t'as pas les notions. C'est important d'avoir euh, le vocabulaire. Le vocabulaire, je l'avais pas, j'avais pas de lexique. Un masque pour moi euh, <laughs> un masque c'est tout simplement pour les, les carnavals, tu sais, euh, tu mets un masque euh, au carnaval de Dunkerque ou pour les soirées exotiques, les soirées euh, voilà, où la lumière est tamisée et, et les gens ont moins de vêtements. Pour moi un masque, voilà, c'est ça. C'est pas du tout pour créer un effet de superposition, un effet d'incrustation. J'étais largué, je savais pas. Et euh, une fois que tu demandes 2-3 conseils, bah tu te fais afficher forcément, euh, Un mec qui sait pas, il est.. Donc, euh, bon, bref, et puis surtout quand bon, les, les profs, ouais, euh, voilà, on, ils sont, ça se voit, hein, euh, quand tu poses une question à la con, euh, le mec se dit, bon, ok, lui, il débarque. Il aurait peut-être dû aller en première année. Je suis allé directement en deuxième année, donc j'ai sauté euh, les cours d'introduction. Oh, pardon, c'est pas le 14 juillet, mais ça commence. Les pétards dans la rue, bref. Euh, donc, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai rebossé, et surtout, voilà, j'ai pris chaque outil. Je me suis dit, Alex, tu sais pas utiliser tel outil bah tu vas apprendre tel outil, et à partir de là tu vas choisir tel outil. Parce que j'ai commencé à me dire, tiens bah, avec ce, le, cet outil là je peux faire ça et ça. Mais tiens avec tel outil je peux faire la même chose. Donc dans quel cas faut que je l'utilise Ça on m'a jamais dit moi, on m'a jamais dit tiens dans quel, dans quel cas il faut prendre le lasso polygonal, dans quel cas il faut prendre le lasso normal, dans quel cas il faut rajouter une baguette euh, magique, tac tac tac. Non c'est pas possible, d'abord tu sélectionnes large, ensuite tu sélectionnes petit. Donc vaut mieux commencer à la baguette magique, t'affines au pinceau à sélection rapide, après tu prends ton lasso polygonal et si besoin tu prends ton lasso normal. Maintenant c'est ce que je recommande, on en parlera en fin de vidéo, mais j'ai réuni toutes ces astuces dans un apprentissage logique de Photoshop. Parce que moi il me fallait apprendre d'une façon logique. J'étais très très nul en maths, donc limite il fallait me raconter une histoire il fallait me faire voyager toi il fallait me faire kiffer tu me dis ta 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 tu construis ton histoire ta 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 t'as ta, ton image à la fin et ça claque non donc euh, du coup voilà tous les soirs je déconstruisais en fait ce que j'avais appris dans la journée pour reconstruire à ma façon et je pense que ça a été la plus ouais ça a été la meilleure façon pour moi parce que euh, à partir de là j'ai progressé direct on m'a demandé encore plus de conseils. J'ai commencé à avoir deux trois félicitations de certains profs et j'ai même commencé à travailler sur deux trois projets perso avec des profs juste pour se taper des barres comme ça et les présenter à des magazines ou autres supports, voilà où on peut présenter son travail. Donc ça j'ai commencé à le faire et j'ai commencé à du coup construire un petit groupe où les mecs voilà s'entraider. Tu chopes des astuces, t'as un mec qui déchire en dessin, bah t'sais, il va t'expliquer que si appuies comme ça, tu vas avoir un effet de délié, donc du coup tu vas avoir un effet de profondeur. Euh, j'ai mon prof de caractère design qui m'a expliqué ce que c'était la backlight. J'ai, euh, ouais, j'ai eu deux trois profs comme ça qui m'ont vraiment aidé sur la design que j'ai eu, donc on peut pas dire que l'ensemble de mes profs ont été vraiment bénéfiques à l'apprentissage de Photoshop et des autres logiciels que j'ai utilisés donc la nuit je bossais, je bossais, je bossais et je rebossais pour atteindre ce que je voulais atteindre à savoir un niveau plus que correct pour présenter mon savoir-faire donc aux experts, euh, aux recruteurs, aux boîtes euh, de production et agences parisiennes. et euh, donc voilà, j'ai créé tout simplement une formation donc j'ai créé une formation pour justement mettre à plat tout cela. Donc déjà, ça m'a aidé moi-même à vous retranscrire clairement ce que j'avais appris en 10 ans. Parce que, bon, voilà, vous l'avez compris. Chacun fait son propre apprentissage. Et c'est pas facile donc euh, bah, du coup de se créer un style. Parce que vous suivez un tuto comme ça, ok, c'est super, euh, l'effet il claque. Mais c'est pas mon style. C'est pas, pas moi, ça reflète pas ma personnalité, mon savoir-faire. Donc j'ai tout simplement mis en place des modules pour euh, commencer à penser Photoshop et avoir une réelle réflexion sur ce que vous voulez mettre en place sur Photoshop. Et pour ça, ça passe par l'apprentissage logique des, euh, bah, des différents outils, des différents filtres et de Photoshop. Euh, donc euh, voilà. Comme vous le savez, euh, bon, voilà, comme vous le savez, euh, je propose maintenant une formation pour apprendre Photoshop en ligne. Certains ont déjà commencé et euh, certains ont déjà fait de réels progrès vu les questions qu'ils me posent. Ils commencent à avoir de sérieuses questions techniques. Vous saviez, vous, qu'il fallait paramétrer Photoshop Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait paramétrer Photoshop. Je ne savais même pas qu'il fallait paramétrer son ordinateur pour Photoshop. Et donc, euh, la première chose que je recommande, c'est tout simplement de créer son interface déjà pour se sentir à l'aise et ensuite de créer son propre Photoshop avec ses propres paramètres pour optimiser votre Photoshop et optimiser votre travail. C'est tout simple. Il faut optimiser Photoshop pour bah, qu'il supporte correctement vos intentions, à savoir ce que vous voulez mettre en place. Si vous voulez faire de la 3D dans Photoshop, faut avoir une bécane, les gars. Il faut avoir une bécane. C'est simple. Si vous voulez commencer à travailler sur 50 calques pour faire un gros photomontage, il faut avoir une bécane aussi qui tourne. Donc euh, certains ont commencé à me poser de sérieuses questions techniques. Et... Euh, et ils commencent donc sérieusement à m'étonner parce que euh, je suis obligé d'aller chercher euh, la solution. Euh, à leur montrer la solution directement parce qu'ils envisagent d'autres choses dans leur tête et qu'ils commencent déjà à comprendre en fait Photoshop. Donc certains commencent à sérieusement m'étonner. Et euh, donc voilà, c'est une très très grosse formation où justement on voit ensemble comment euh, penser Photoshop. Et euh, bon, voilà, vous avez certaines questions, donc du coup, euh, bah, on va... Je vais répondre à vos questions. Euh, vous avez votre première question qui revient beaucoup, euh, à savoir combien de temps dure la formation. Donc, euh, bah, la formation, c'est simple, elle dure euh, 13 heures. C'est une formation, il euh, y a 13 heures de formation vidéo. Et euh, chaque vidéo contient en moyenne 10 à 20 minutes. Voilà, ça dure en moyenne 10 à 20 minutes une vidéo. Et euh, on... bon, il y a certaines vidéos quand même qui durent plus d'une heure. Euh, comme par exemple euh, la, la vidéo sur la retouche portrait ou alors la vidéo sur la retouche euh, ville euh, paysage, donc euh, voilà, c'est une question qui revient souvent. Combien de temps dure la formation Elle dure 13 heures, 13 heures de formation vidéo. Et euh, bon, voilà, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Aussi en attendant, je vais répondre aux questions qui ont déjà été posées par vous. Donc euh, voilà, deuxième question c'était savoir. Que contient l'information Donc que contient le visuel que je propose sur euh, le site Donc attends, je vais vous mettre le visuel parce que je l'ai pas mis ici. Hop. Alors comme par hasard, hop, je l'ai pas. Je vais aller le chercher tout de suite. Voilà euh, le coffret. Voilà le coffret, c'est celui-ci. Hop, voilà. Euh, donc c'est le coffret maîtrisé Photoshop, il y a 10 modules, 50 vidéos, 13 heures de formation. Et euh, bon voilà, c'est le coffret que j'ai tout simplement créé pour illustrer visuellement voilà, euh, la formation. J'ai tout simplement récupéré donc euh, la... Ouais, c'est une illustration qui a été créée euh, je ne sais plus par qui. J'ai oublié le nom. Euh, pour illustrer tout simplement euh, la version de Photoshop. Donc voilà, il y a 13 heures de formation vidéo et bon, en ce moment, il y a moins 30%, mais ça ne va pas durer. Euh, c'est seulement pour les 100 premiers inscrits et on arrive tout doucement sur les 100 premiers inscrits. Donc euh, voilà, si vous voulez en profiter, c'est le moment. Je vais tout simplement revenir sur les questions essentielles, à savoir que contient le coffret de la formation. Donc il contient en fait tout simplement euh, une formation de 50 vidéos. C'est 13 heures de formation, mais il y a 50 vidéos. J'ai coupé chaque vidéo pour qu'elle soit la plus logique possible. Et euh, voilà, la formation est divisée en 10 modules. Donc chaque module est spécialisé sur une thématique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les thématiques sur euh, la page. Où vous allez pouvoir retrouver donc, le programme, le sommaire de cette formation. Vous avez toutes les informations en description. Euh... Et vous recevez en plus, bien sûr, cette photo pour pratiquer chaque vidéo. Je vous lâche cette photo. On a même du formatif où vous allez pouvoir travailler en temps réel sur les techniques que je vous partage en vidéo. Donc pour moi, c'était indispensable d'avoir un support justement pour vous, pour que vous puissiez pratiquer. Et en plus de ça, voilà, en bonus, vous avez un guide PDF de 90 pages qui va tout simplement permettre d'accompagner un peu bah, ce que vous apprenez dans les vidéos. Donc au moins, vous avez une version écrite si vous le souhaitez. Voilà. Et bien sûr, vous me dites. Certains me disent, voilà, on n'a pas Photoshop, bah vous pouvez tout simplement télécharger gratuitement Photoshop. Allez sur euh, Adobe, le site Adobe, et vous téléchargez votre version Photoshop. C'est simple, c'est une version gratuite de 30 jours, vous laissez votre adresse mail et vous avez Photoshop d'installer dans les deux minutes. Voilà, c'est tout. Moi, je l'ai fait pendant des années. Tous les mois, en fait, je changeais mon adresse mail pour avoir une nouvelle version de photoshop euh, une nouvelle période d'essai en fait je veux dire voilà euh, donc tous les mois je l'ai changer je l'ai fait chaque, chaque mois ça peut paraître un peu pénible mais euh, c'est extrêmement rapide donc euh, voilà on renseigne son adresse mail et hop on active une nouvelle période d'essai et puis euh, voilà de tout manière on connaît aussi tout on connaît toujours quelqu'un qui a photoshop à disposition et puis voilà après euh, vous me posez souvent la question à savoir quelle version sur quelle version je travaille sur cette formation. Alors moi c'est simple, je travaille sur la dernière version, Photoshop CC 2018, mais j'ai construit cette formation d'une certaine logique, comme je vous ai dit précédemment. J'ai organisé cette formation afin que vous, puisez, vous puissiez euh, suivre un chemin intelligent dans l'apprentissage de Photoshop. Je n'ai pas envie que vous soyez perturbé avec des notions essentielles mais qui peuvent perturber l'apprentissage, donc chaque chose vient en son temps. Et on commence par les bases essentielles, les notions essentielles que j'ai même moi-même redécouvert. Enfin voilà, j'ai redécouvert certaines solutions, astuces que j'avais tout simplement oubliées ou mis de côté parce que voilà, avec le temps, on passe à autre chose et on, on a un autre workflow, un autre processus de travail. Et euh, voilà, on a tendance à passer à côté de ces choses-là alors que ça peut être très bénéfique quand même de s'en souvenir. Et donc euh, voilà, vous. Il y a toujours moyen d'avoir Photoshop si vous souhaitez avoir Photoshop. Et puis voilà, de toute manière, si vous voulez avoir. Euh, enfin, si vous voulez pas vous embêter avec la version gratuite, bah, vous achetez Photoshop, c'est 10 balles par mois. Et vous avez euh, Photoshop et Lightroom, euh, deux logiciels extrêmement puissants pour la photo. Donc si c'est votre passion, bah, vous pouvez pas passer à côté. Euh, c'est le prix d'un paquet de cigarettes, je sais pas si vous fumez, mais euh, bon, voilà. Sachant qu'un paquet de cigarettes, vous en achetez au moins deux par mois, je suppose. Euh, voilà, ou c'est. J'en euh, sais rien, hein, moi, ça peut être euh, les pains au chocolat et croissants que vous achetez tous les dimanches. Ah la boulangerie, enfin c'est 10 balles et... Euh... Ok ça peut paraître un peu bizarre j'avoue d'acheter un logiciel ou de payer un logiciel mais euh... enfin une fois que vous l'avez euh, vous ne lâchez plus, enfin moi je suis tous les jours dessus hein. Photoshop c'est mon outil de travail donc après c'est normal que je l'utilise et que je paye une version euh, mais il y a d'autres moyens comme je vous le dis d'avoir une version gratuite je vais pas toutes vous les énumérer ici mais je pense que vous les connaissez et euh, voilà, dès que vous voulez tout simplement passer aux choses sérieuses, bah vous achetez votre licence et puis vous payez les chaque mois et puis vous arrêtez quand vous le souhaitez, il n'y a pas d'engagement. C'est pas moi qui m'occupe de ça, je fais pas de la publicité pour Adobe, mais en tout cas c'est extrêmement facile d'avoir Photoshop. Ça a été même un petit peu trop facile à une certaine époque, mais je pense que c'était un coup marketing de Adobe. Euh, voilà, je regarde si vous avez d'autres questions. Dites-moi si vous avez des questions. Donc, on est toujours sur la formation maîtrisée Photoshop. Euh, comme je vous dis, c'est pas n'importe quelle euh, formation. Enfin, c'est normal de dire ça après, mais euh, enfin bon, j'ai mis pas mal de temps à créer cette formation. J'ai pas voulu la faire trop rapidement. Voilà pourquoi elle est construite d'une certaine logique pour vraiment que vous puissiez un voilà, suivre un chemin intelligent et efficace dans l'apprentissage de Photoshop. Vous me posez aussi beaucoup la question à savoir quelle version de Photoshop. Euh, donc ça j'en ai parlé encore tout à l'heure, mais euh, en fait j'utilise Photoshop CC, mais ça concerne toutes les versions Photoshop. J'ai construit cette formation, je me répète, pour que ça puisse être utile à toutes les versions de Photoshop. Si vous utilisez par exemple une version Photoshop 6 sur laquelle j'ai commencé, vous n'allez pas être perdu. Si vous utilisez Photoshop CS6, vous serez encore moins perdu. Et si vous utilisez Photoshop CC 2017, vous serez pas perdu du tout, ça va vous concerner. Vous allez retrouver chaque outil, les trucs essentiels à savoir sur Photoshop. Donc, euh, voilà. Et éventuellement, vous pouvez avoir une petite surprise sur un nom ou sur un filtre, en effet, qui change de couleur, ou, euh, qui change de couleur, qui change de nom ou d'emplacement. Je dis ça juste pour sécuriser ce que je viens de dire, mais euh, honnêtement, euh, je pense pas que ça arrivera. Vous n'aurez pas de surprise. Ça concerne toutes les versions de Photoshop. Vous n'aurez pas de surprise. Et de toute manière, je suis là pour vous accompagner. Donc euh, voilà. Que, euh, la question c'est euh, comment est accessible la formation. La formation est accessible en ligne. Donc vous accédez à votre formation avec des logins. Je vais tout simplement vous envoyer des logins, un identifiant. Et vous allez arriver sur une plateforme spécialisée où vous allez pouvoir retrouver donc, toutes les vidéos. Je peux même vous mettre un petit visuel. Faut voir ce que si j'ai un petit visuel. Euh, ouais, je crois que c'est celui-ci. Voilà, l'espace de Pauline. Donc euh, voilà, vous retrouvez tous les modules euh, dans l'espace accueil. Et voilà, je sais qu'elle a travaillé euh, 15h37 sur la formation. Donc c'est un peu plus que le temps euh, passé. Mais comme je vous le dis, vous pouvez revenir sur euh, n'importe quelle vidéo. La formation est censée durer 13h, mais euh, vous pouvez regarder. Quand vous le souhaitez, n'importe quelle vidéo faire pause, revenir en arrière, euh, accélérer, même vous pouvez revenir à un précédent module, à une précédente vidéo. Rien n'est verrouillé. C'est euh, votre formation, vous la suivez à votre rythme. La seule chose, c'est juste que voilà, il euh, y a un rythme de deux vidéos tous les euh, une vidéo tous les deux jours, tout simplement pour vous laisser le temps de bien intégrer toutes les connaissances et les techniques prises et acquises lors de la précédente vidéo. Donc du coup, vous regardez la vidéo et vous avez euh, tout simplement, voilà, un jour pour bien travailler, bien pratiquer, et le deuxième jour, vous avez une nouvelle vidéo qui arrive, bam bam bam, et vous avez votre module, et à chaque fois, vous avez un nouveau mec qui vient vous dire quand vous débloquez un nouveau module, voilà, tout simplement. Donc, euh, voilà, comme je vous le dis, par exemple, chaque module est répertorié à une thématique. Sur le module 1, on voit comment personnaliser Photoshop pour bien se sentir à l'aise. Sur le module 2, on voit comment bien exploiter la fenêtre de calque, et surtout utiliser toutes ces options. Après, sur le module 3, on voit comment maîtriser tous les outils et surtout les outils extrêmement puissants. On vient paramétrer les outils et on vient sélectionner les bons outils et mettre sur le côté les outils dont on n'a pas besoin. Il y a des outils qu'on n'a pas besoin, comme je vous le dis, éviter la pollution visuelle. Et certains outils, c'est poubelle. Voilà, et puis ainsi de suite jusqu'au module numéro 10. Je vous invite tout simplement à visionner le programme sur la description. Donc vous cliquez dans la description qui est dans les commentaires et vous regardez le petit programme et vous voyez si ça vous correspond. Normalement, bon, si vous voulez apprendre Photoshop, c'est pour vous. Et euh, donc voilà. Euh, comment fonctionne la formation Elle est accessible en ligne. Quand vous le souhaitez, le jour, la nuit, à n'importe quelle heure, vous regardez vos vidéos quand vous le souhaitez et vous débloquez vos vidéos avec votre évolution. D'ailleurs, je peux suivre votre évolution. Et si vous avez des questions, bah, vous me dites ça dans l'espace Aide et moi je vais vous aider direct. C'est normal, je ne veux pas vous laisser seul, je ne veux pas vous laisser tout seul dans l'apprentissage de ma formation. C'est votre formation, c'est notre formation, je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller. Je ne vous tiens pas la main, mais bon, je suis derrière vous si vous avez besoin. Et de toute manière, si vous ne voulez pas faire appel à moi, bon, c'est dommage, mais vous avez tout simplement accès au groupe privé Photoshop sur Facebook. Voilà, c'est un groupe privé spécialisé sur Photoshop, où on ne parle que de Photoshop et de votre évolution, de votre progression. Vous postez vos photos, on en parle ensemble, on voit comment vous progressez, comment vous évoluez. Il n'y a que de toute manière en s'encadrant des meilleurs qu'on approche le meilleur. Il n'y a pas plus simple, je pense. Et voilà, c'est tout simple. Hein. Donc si vous avez des petites questions, je suis là pour y répondre. Dites-moi tout simplement euh, si vous avez des questions. Ça me ferait super plaisir d'y répondre, je veux pas vous laisser dans le flou. Moi-même, j'ai été trop longtemps dans le flou et je sais ce que c'est, c'est galéa. Même des fois je voulais... Je restais tout seul en fait parce que je voulais pas montrer mon travail, par exemple. C'est très con. Hein mais je travaillais dans mon coin, je postais comme ça, mais je demandais pas de feedback, de retour, de commentaires. Et c'est très con honnêtement. C'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'était de rester dans mon coin. À, à travailler bêtement. Bah oh, tu fais du Photoshop, ouais, c'est bien. Tu fais du photoshop mais euh, bon voilà. Des évaluations, pouvez-vous me faire des évaluations si c'est possible? Eh bien bien sûr, en fait le truc c'est que euh, quand tu vas poster euh, sur le groupe privé, tu vas poster ta photo, déjà tu vas poster ta première photo, donc on va voir de quoi tu parles. Et ensuite, tu vas poster tes photos au fur et à mesure et on va voir ton évolution. Donc euh, une fois que vous avez fini la formation, ça ne s'arrête pas là. Hein. Moi je vous lâche pas, les gars. Hein. Vous restez avec moi et je vous suis tout le temps. Même si vous avez fini la formation depuis 6 mois, depuis 3 euh, jours ou depuis 1 an, j'aurais dû le dire dans le sens, que vous avez fini votre formation depuis 3 jours, depuis 3 mois ou depuis 3 ans, je reste derrière vous et je veux suivre tout simplement votre évolution parce que c'est là qu'est le plus intéressant, qu'est le plus excitant. C'est ce qui se passe après, ce qu'il y a derrière. Et moi, justement, je ne vous lâche pas, déjà parce que je suis passionné et j'adore l'image et j'adore justement bah, travailler sur des images, travailler mon œil, travailler pixel, bouffer du pixel, j'adore ça. Et euh, voilà, je ne vous lâche pas, c'est pas possible. Même si vous le souhaitez, je vous lâche pas. Non, mais euh, enfin bon, voilà. Si vous le souhaitez, en tout cas, moi je suis là, je suis derrière vous avec plaisir. Je réponds tout le temps à vos questions sur vos messages Twitter, sur vos messages Instagram, euh, Snapchat, Facebook. Je suis là à vous répondre. Et surtout, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir votre progression. Je suis hyper curieux de voir comment vous évoluez. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul noyé dans l'océan des artistes comme moi j'ai pu l'être. Je suis avec vous, je vous accompagne, je vous guide pas à pas et euh, on s'éclate dans Photoshop. Donc euh, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description pour vous procurer cette formation et passer à l'étape supérieure à savoir avoir un réel déclic. Photoshop c'est une tuerie, moi c'est mon bébé, c'est mon bijou, je peux pas passer une journée sans lui, c'est euh avec ça, je suis sur Instagram, je fais du Snapchat, euh, je me fais des photomontages délirants juste pour me marrer comme ça avec des potes sur Facebook. On prend une photo d'un tel, je la mets sur un corps d'un tel et on rigole. Enfin, moi, je trouve ça hyper rigolo. Je fais des photomontages, des retouches photos pour euh, bah, les, euh, les voyages que je fais avec ma famille. Ça fait super plaisir, ça nous fait super plaisir à chaque fois qu'on revient d'un voyage en famille. Au bout de six mois, vous savez, quand il ne se passe plus rien, on n'en parle plus, tac, tu réveilles une nouvelle fois la curiosité. Et les souvenirs de cette. Euh, de cette. Euh, voilà, de ces journées passées en famille. Et tu balances une vidéo avec les vidéos. Et puis là, tu t'éclates. Ah ouais, t'as vu ça Tiens, c'était marrant, ça nous rappelle tel ou tel souvenir. Enfin, je sais pas, les photos, je trouve c'est extrêmement puissant. Et sans Photoshop, je trouve qu'elles sont carrément moins puissantes. Vous allez rajouter des effets de lumière, vous allez pouvoir révéler tel personnage, flouter tel personnage, vous allez pouvoir changer un ciel. S'il y a une canette qui est par terre, un mouchoir dégueulasse, tac, vous l'enlevez. Vous allez pouvoir carrément vous sentir à l'aise avec ce que je vais vous donner dans la formation. Vous allez voir qu'en quelques temps, vous allez tout de suite comprendre comment il faut penser Photoshop, comment il faut construire vos projets pour vraiment vous sentir à l'aise et que vous puissiez uniquement vous concentrer sur votre créativité. Donc on peut dire que cette formation s'adresse aux débutants, mais enfin aux débutants qui veulent donc apprendre les notions essentielles de Photoshop et commencer dans de bonnes conditions. Après ça va aussi plus loin parce que je m'adresse aussi aux amateurs dans cette formation, à ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur et peaufiner leur technique. Et je m'adresse aussi encore un peu plus loin dans la formation pour les plus passionnés, pour ceux qui sont un peu plus experts dans Photoshop, pour pousser encore les choses un petit peu plus loin, améliorer. Et être plus subtil dans les techniques pour sérieusement passer à la marche, au palier supérieur. Vraiment, vous ouvrez une autre porte. Pour moi, je vous pousse là-dedans, je vous pousse dans cette porte pour vraiment vous puissiez atteindre le niveau que vous voulez atteindre. Donc, c'est sûr que cette formation n'est pas pour n'importe qui. Il faut quand même être prêt à travailler Photoshop. Mais voilà, les vidéos sont quand même relativement courtes. Enfin, elles sont courtes. Euh... Elles sont suffisantes pour intégrer un maximum d'informations. Après, je trouve qu'à partir d'un certain moment, à partir de 30-40 minutes, on commence à décrocher. Donc pour certaines vidéos, il faut s'accrocher un petit peu, c'est normal. On arrive sur la fin de l'information, donc il faut passer à l'étape supérieure, à la marche supérieure. Voilà, il faut tout simplement en vouloir. Donc les gars, il euh, y a moyen d'apprendre Photoshop de différentes façons. Soit soi-même, mais dans ce cas vous allez perdre du temps comme moi j'ai fait, ou voilà, vous allez écouter aussi un tel ou un tel qui vont vous induire en erreur et vous allez prendre encore plus de retard, ou alors vous vous concentrez justement sur les choses essentielles qui vont vraiment vous faire progresser, à savoir sélectionner les 5 meilleurs outils qui font réellement la différence et qui vont vous permettre donc d'améliorer sérieusement vos photomontages, votre Photoshop. Les gars, au bout d'un moment, il faut se dire... Moi, j'ai mis du temps, hein, je vous le dis, hein, j'ai mis du temps à me dire que, ok, ça va pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai repris les choses à la base essentielles, enfin les notions essentielles. J'ai commencé par comprendre les calques et toutes ces options. Est-ce que vous connaissez toutes les options du calque À savoir tout ce qui est possible avec un calque. Ok, on peut le renommer, on peut changer son code couleur, mais aussi on peut le verrouiller. Il y a au moins cinq ou six façons de le verrouiller, votre calque. Vous pouvez déjà le verrouiller totalement, mais vous pouvez aussi verrouiller seulement la position, ou alors la transparence. Vous verrouiller pas mal de choses et laisser certaines options possibles. Voilà, il y a pas mal de choses à savoir. Euh, organiser votre projet, vous savez, on m'a pas dit moi comment organiser mon projet, on m'a pas dit comment renommer mes projets pour que ce soit le plus clair possible. Et ben, ça, je vous le donne. Je vous donne justement toutes les informations pour organiser votre document PSD du début à la fin. Je vous montre aussi comment exporter vos fichiers. Bon, on m'a jamais dit, tu choisis le JPEG quand tu par exemple, tu vas sur le net, mais on m'a jamais dit moi qu'il fallait me mettre en 72 DPI. On m'a jamais dit qu'il fallait choisir telle résolution pour tel format. On m'a jamais dit que tiens il faut utiliser telle couleur pour apporter telle ambiance, telle subtilité, telle sensibilité. Enfin, moi, euh, je sais pas vous, mais moi on m'a pas dit, hein. On m'a pas dit qu'il fallait utiliser telle police pour exprimer telle action, tel sentiment. On m'a pas dit qu'il fallait avoir plus de. Enfin non, qu'il fallait avoir plutôt même moins de trois polices dans une charte graphique. Parce qu'après, ça fait bizarre, ça fait folklore, ça fait... ça fait too much. Deux polices, c'est très bien. Une plus complexe que la sous-police. Et voilà, on s'en sort très très bien. Ici, j'ai deux polices, ça fonctionne bien, c'est clair, net et précis. Enfin, j'espère, non Allez, dites-moi un petit peu dans les commentaires, je suis tout seul à parler, ça m'ennuie un petit peu. Euh, j'ai besoin de plus d'adrénaline, j'ai besoin d'interaction. Dites-moi un petit peu dans les commentaires euh, si vous êtes prêt à vous lancer. Et surtout, si vous n'êtes pas prêt à vous lancer, dites-moi pourquoi. Et je trouverai une solution. Donc voilà, il y a des choses, au bout d'un moment, il faut y aller, il faut, faut passer à l'étape supérieure. Si vous voulez apprendre Photoshop, il n'y a pas 15 000 chemins. On dit que tous les chemins mettent à Rome, mais... Il y a des raccourcis. Certains sont difficiles, d'autres un peu moins difficiles. Il faut juste les connaître, les contourner intelligemment. On commence quand Est-ce que dès qu'on fait le clic tout de suite... Alors ouais. Alors dès que tu cliques, tu reçois un mail immédiatement. Avec tes logins et tu peux commencer... Bah là, dans 10 minutes, tu peux commencer. 10 minutes, 5 minutes, hein. On sait, hein le temps que tu reprennes un petit peu d'eau, que tu te cales tranquillement. Ouais, tu peux t'enfiler les vidéos ce soir, hein. Il a pas de souci, tu commences direct Photoshop ce soir. Mais attention, ça commence sérieusement. On voit comment direct mettre en place son Photoshop. Moi, je veux pas de cochonnerie autour et autour. Moi, je veux pas de cochonnerie qui m'embrouille les yeux. On évite la pollution visuelle. Les trucs qui, qui t'embêtent, là, tu sais. Hop là t'es au calme, t'es précis, t'es comme à la maison, tu fais les claquettes, t'es royal. Et ouais, évitez tout ça, toute la pollution, un hein, camarade qui vous demande d'aller boire une bière, euh, je ne sais pas, ou si vous avez une piscine, pas de piscine, mais si vous avez une piscine, ou si la plage qui vous appelle, l'apéro, tout ça, il y a toujours des excuses. Au bout d'un moment, il faut arrêter les excuses et faut y aller. Moi c'est ce que je vous dis, hein. sinon euh, j'aurais pas fait ça, si j'avais joué aux jeux vidéo, si j'avais regardé des films toute la nuit. Au lieu de bosser, j'aurais foiré mon année et je ne serais pas en train de faire ce que je fais actuellement, à savoir vous donner toutes les clés essentielles pour passer à l'étape supérieure, pour passer au niveau supérieur sur Photoshop et enfin que vous puissiez vous concentrer sur votre créativité. C'est le plus essentiel, non Ça fait un petit peu chier quand même de euh, se concentrer sur des trucs qui servent à rien, sur des effets qui servent à rien. Il y a des effets qui servent à rien, moi je vous le dis direct, hein, il ne faut pas les utiliser. Je vous le dis dans la formation, n'utilisez pas tel effet, n'utilisez pas tel filtre, ça sert à rien. C'est. Vous pouvez les utiliser dans certains cas, mais avec une, une opacité à 10%. Et encore, si vous êtes dans le détail, parce que je vais vous faire travailler votre détail, je vais vous faire travailler votre oeil je vais vous faire bosser et vous allez vraiment travailler. Vous allez observer des choses. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu observes là mais si regarde, je regarde l'ombre portée entre tel objet, tac, t'as vu les caustiques, tac, t'as vu euh, ce qui se passe là. Et si je tourne un petit peu la bouteille, t'as vu le volume, comment il prend une toute autre. Enfin bon. Il faut y aller, les gars. Il faut commencer à observer les choses dans sa totalité et non pas des petits trucs à gauche et à droite. Il faut y aller. Bon, ça fait déjà presque deux heures qu'on est en live. Si vous n'avez plus trop de questions, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description. Allez, je vous mets la page, tout simplement, où on va voir bah, le programme de cette formation. Et après, je vais vous quitter là-dessus. Euh, hop, je me lancer. Voilà, il faut que je me reconnecte tout simplement à ma session. Et on va tout simplement aller dans le tunnel de la formation. Hop là Allez, je galère un petit peu, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, alors on va tout simplement se rendre sur le blog. Voilà, et on va hop, découvrir le programme de la formation. Voilà comment maîtriser Photoshop. Vous avez même une petite vidéo teasing pour euh, vous dire un peu ce qui se passe dans la formation. Voilà, donc c'est simple, on voit comment créer son, son espace de travail. Il est très important, comme je vous le dis, de se sentir à l'aise dans Photoshop. On va voir comment maîtriser les outils indispensables. On va voir comment ajouter un effet sur un texte. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait justement exploiter nos textes. Je ne savais pas que de temps en temps, il fallait pixeliser un texte. Vous saviez ça Moi, je ne savais pas. Je vais vous apprendre tout simplement à sublimer vos photos. Il est très important de comprendre comment il est possible d'améliorer ses photos. Le but, c'est ça, c'est d'améliorer les photos. Il ne faut pas les retoucher, il faut les améliorer. Deux choses différentes. On va voir les bases essentielles, à savoir comprendre les calques et ses options. Il y a plein d'options à utiliser, elles sont souvent inexploitées, ce serait dommage de passer à côté. On va voir comment utiliser et créer des broches, des formes personnalisées de pinceaux, c'est très important d'utiliser ces broches pour avoir un effet garanti en un coup de broche, un effet fumé, un effet de feu, un effet de neige, il y a plein d'effets à utiliser, ces broches sont gratuites, je vous montre tout simplement comment les utiliser et les importer dans votre Photoshop. On va tout simplement voir, comme je vous le dis, comment créer un photomontage. Je vous l'ai dit, comment sublimer nos photos. Le but ici de cette formation est tout simplement de sublimer nos photos dans Photoshop, en se sentant à l'aise, bien entendu. On va voir en gros comment penser Photoshop. Donc je vous l'ai dit, je me suis présenté, je suis de la région parisienne. J'ai fait des écoles, différentes écoles en design et en management, spécialisées en, re, en, en retouche photo. Je suis spécialisé en retouche photo maintenant, mais j'étais spécialisé en jeux vidéo et animation 3D de la Broadcast 3D, j'ai évolué dans différents domaines du marketing de luxe, de l'architecture des jeux vidéo et de la mode. Comme je vous le dis, je suis un sacré passionné de l'image. Donc voilà, ça fait une bonne dizaine d'années, un peu plus, 12, 15, bientôt 15 ans, un peu moins quand même, que j'utilise Photoshop et c'est de loin mon outil préféré parce que j'utilise une bonne dizaine de logiciels. Euh, voilà, j'utilise du Photoshop, j'utilise Illustrator, j'utilise... InDesign, Lightroom, Lightroom classique, Photoshop, euh, j'utilise Adobe Premiere pour mes montages vidéo, euh, After Effects bien sûr pour les effets vidéo, j'utilise Audition pour le son et j'en ai encore une bonne dizaine de captures de, de compressage, j'utilise plein de logiciels, mais mon préféré, mon meilleur ami, c'est Photoshop. Il n'y a pas. J'hésite même pas, c'est Photoshop. On peut faire tout et n'importe quoi avec Photoshop, à condition de savoir ce qu'on fait et surtout ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, tout simplement, comme vous, un jour j'ai débuté sur Photoshop et cela n'a pas été chose facile. Maintenant, je peux dire que Photoshop, c'est mon terrain de jeu. Donc j'ai tout simplement réfléchi sérieusement à savoir comment Photoshop pouvait être votre terrain de jeu. Comment vous aussi, vous pouvez vous faire plaisir avec Photoshop Arrêtez d'écouter n'importe quel conseil que vous avez à gauche, à droite. Chaque apprentissage se fait personnellement. Il faut être donc au clair là-dessus. Chaque chose... Voilà, il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Il faut être clair. Et moi, je mets au clair ça avec vous. Donc voilà, c'est une formation Photoshop complète. Et surtout... Je ne l'ai pas encore dit jusque là, mais c'est une garantie de 30 jours que je vous donne 100% remboursé parce que je suis sûr de ma formation et que si vous n'êtes pas satisfait, bah je vous rembourse. Je ne discute même pas avec vous. Je regarde tout simplement si vous avez quand même essayé de regarder les vidéos. C'est mon but quand même, de vous mettre sérieusement à Photoshop. Et si je vois que vous avez quand même essayé et vous n'y arrivez toujours pas, je vais quand même vous pousser un petit peu. Mais si je vois que vraiment vous voulez vous faire rembourser, il n'y a pas de souci, moi je vous rembourse. Je ne suis pas là pour faire du... Hein je ne vends pas des tapis. Mon but, c'est tout simplement de vous vendre une sérieuse formation Photoshop. Donc voilà, allez voir tout simplement le planning de la formation. Voilà, vous l'avez détaillé. Il est vraiment détaillé. Hein. Je vous l'ai dit, il y a cinq vidéos dans chaque module. Vous retrouvez les cinq vidéos avec la thématique de chaque module. Donc j'ai tout simplement énuméré précédemment les différents modules, les quatre premiers modules. Euh, je ne sais plus si non, j'avais pas fait le 4. Donc voilà, par exemple, dans le module 4, on va tout simplement essayer. Et plus qu'essayer, même je vous le dis. On va tout simplement comprendre la puissance du pinceau Photoshop, un outil pour moi qui est le plus puissant, c'est le pinceau. On ne cherche même pas, je ne discute même pas, c'est le pinceau direct. Parce qu'il peut nous permettre donc de peindre nos couleurs, de peindre nos effets, d'atténuer nos effets, et tout simplement de transformer nos effets avec des brushes, c'est une tuerie. J'ai mis du temps à le comprendre, je peux te dire que le pinceau c'est l'outil qu'il faut savoir utiliser. On peut bien sûr pas passer à côté du nuancier. Je vous explique toutes les valeurs qu'il faut connaître dans le nuancier, à savoir les couches RVB, rouge, vert et bleu. Je vous, ai, je vous explique aussi le CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Je vous explique aussi le lab. Je vous explique toutes les notions essentielles à connaître dans le nuancier pour sélectionner correctement une couleur. Ensuite, bien sûr, on peut passer aux paramètres de forme. On va voir donc comment paramétrer une forme, comment paramétrer notre pinceau. On va voir aussi comment créer un brush. Très important que vous puissiez créer votre propre forme de pinceau personnalisé. Et puis voilà, si vous avez la flemme de temps en temps et ne voulez pas vous prendre la tête, ben bien sûr, il y a des broches qui sont disponibles directement en ligne. Je vous donne les sites, on va sur les sites, je vous montre comment télécharger les broches et surtout comment les intégrer sur votre Photoshop pour pouvoir les utiliser tout de suite. Donc ça, je vous le montre, c'est dans la formation, c'est dans le module 4. Il n'y a pas plus simple. Voilà, et puis bien sûr, il y a un module 5. Il faut exploiter le texte, la force du texte. L'outil texte est un outil extrêmement puissant. On peut faire beaucoup de choses avec. Et non pas juste mettre un biseautage en place, je vous montre comment atténuer les effets, comment exploiter un maximum d'effets sur votre lettrage pour justement exploiter un maximum votre titre. Pour ça, bien sûr, on ne peut pas passer à côté des fenêtres, paragraphes et glyphes. Très important d'utiliser ces petites fenêtres si vous faites un peu de mise, en tage, de mise en page, pardon. Et voilà, je vous montre aussi bien sûr comment apporter une police. Comment mettre en place des effets sur un texte et surtout dans quel cas il faut pixeliser un texte. Je vous le dis de temps en temps, on n'a pas le choix, il faut pixeliser un texte pour attribuer correctement son effet. Dans le module 6, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, à savoir mettre en place la lumière et les couleurs. Je vais vous montrer les réglages de base. Il est très important de passer par les bases essentielles, à savoir les valeurs. On passe pas sur, on passe pas du temps sur un photomontage si vous ne connaissez pas les valeurs. Il faut connaître ces noirs, ces gris et ces blancs et dans quel cas il faut les modifier pour dire quelque chose on veut dire quelque chose, on retouche pour dire quelque chose, on fait pas une retouche pour eux, on fait une retouche, on fait une retouche pour dire quelque chose. Donc bien sûr, une fois que les valeurs sont mises en place, on peut passer à la couleur, d'abord les nuances et ensuite on passe à la chromie à savoir les couleurs. Une fois que c'est mis en place, on répète exactement la même chose mais cette fois-ci en sécurisant son travail. Je vous l'ai dit, il est extrêmement important de sécuriser son travail et plusieurs fois bah j'ai dû recommencer parce que justement je ne savais pas qu'il fallait sécuriser son travail et surtout je savais pas comment le faire. Donc c'est là que rencontre rencontre la base. Si vous voulez sécuriser votre travail, vous devez travailler avec les calques de réglage. Après, bien sûr, on peut passer à la courbe de transfert de dégradé. Là, on peut complètement revoir notre photo avec un premier effet qui change totalement la donne et qui peut sérieusement apporter un plus à partir du moment où on vient le doser juste comme il faut. Donc ça, pour ça, je vous montre comment créer donc des dégradés, des courbes de transfert de dégradés, comment enregistrer vos dégradés. Il y a moyen de faire pas mal de trucs à partir de cette petite fenêtre. On la voit ensemble dans le module 6. Euh, et puis voilà, oui, bien sûr, on peut finir avec les masques d'écrêtage pour impacter seulement un calque en particulier. Il est très important de prendre en compte les masques d'écrétage pour éviter donc d'impacter l'ensemble de notre photomontage avec euh, notre effet. Donc euh, voilà, une fois que vous avez débloqué le module 6, bah, bam Vous arrivez sur le module 7, alors là on commence à envoyer du pâté, on passe aux effets et aux filtres. Donc là, direct, on passe par la galerie de filtres. La première galerie que vous devez tous utiliser, que j'ai exploité et réexploité et re, -re, 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 -re la galerie des filtres. Vous devez la doser, mais pas n'importe comment. Je vous montre comment l'utiliser et surtout comment sécuriser votre travail en utilisant cette galerie des filtres. Donc là, on, peut, on passe aux choses sérieuses. Et surtout, bah là, on peut pas passer à côté de la galerie des flous. Il y a pas mal de flous à utiliser. Certains sont intéressants, d'autres un petit peu moins. Je vous montre dans quel cas il faut les utiliser, dans quel cas il faut pas les utiliser. Et puis voilà, comme je vous le dis, moi j'ai commencé sur Photoshop 6 à l'époque. La toute nouvelle nouveauté, c'était le filtre fluidité. On pouvait complètement déformer nos photos. C'était vraiment un truc de dingue. Le filtre fluidité, on peut pas passer à côté. C'est, il y a vraiment moyen de s'éclater. Et on s'éclate d'ailleurs ensemble dessus avec une statue. On retouche une statue. On fait une. Qu'est-ce qu'on fait euh, Une caricature, excusez-moi, j'ai perdu le mot, on fait une caricature à partir du filtre fluidité. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de se marier avec. Et je tiens à marier avec vous avec le filtre fluidité. Et après voilà, on peut passer au filtre de renforcement. Donc ça, c'est des filtres de netteté qui vont tout simplement nous permettre. Faut que j'arrête de parler aussi vite. Et voilà, c'est l'adrénaline, c'est Photoshop. Moi ça m'éclate. Donc euh, voilà, on peut passer après au filtre de renforcement. Les filtres de renforcement vont tout simplement nous permettre d'apporter plus de netteté. On peut apporter plus de détails, plus de définition à certains endroits et attirer le regard. Le but est quand même d'attirer le regard du spectateur. Vous le mettez dans un coin, tac. Voilà. Moi, je te dis de regarder là, tu regardes là parce que c'est là qu'il faut regarder et c'est là que toute la photo prend toute son ampleur. Donc, euh, voilà les fuites de renforcement. Et après, bien sûr, on peut passer au style de cac. Il y a moyen d'avoir des effets très très rapidement sur notre photo, sur notre montage. Autant utiliser les styles de calque. En un clic, c'est réglé. Bam, vous avez un super effet de superposition, de ombre portée, de contour. Quoi que ce soit, vous ne prenez pas la tête à redessiner. Vous sécurisez votre travail avec les styles de calque. Vous actionnez, vous décochez, vous activez, vous désactivez quand vous souhaitez. C'est hyper facile. Et puis voilà, après, bien sûr, on peut passer au masque indispensable. Donc là, franchement, on passe aux choses sérieuses. Il ne s'agit pas de créer un masque comme ça. Hein. Je sais que c'est un truc de débutant, le masque. Mais euh, non, non, là on, on tape dans du lourd. On crée un masque de fusion. Donc déjà je vous montre toutes les options pour créer un masque de fusion. Ensuite je vous montre tous les outils pour modifier un masque de fusion. Et surtout on passe sur la fenêtre sélectionner et masquer qui est indispensable si vous voulez passer aux choses sérieuses sur votre masque. Si vous avez des contours assez complexes à mettre en place, eh ben on les voit aussi juste après. Avec le détourage complexe, on va travailler sur les couches. Je vais vous montrer comment on peut travailler sur les couches rouges, vertes et bleues pour justement créer un masque hyper facilement. Les masques et les couches, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors là, je vous le dis, les couches, c'est une tuerie. On a encore des petits bugs, je vois. J'espère que ça va et que vous me comprenez toujours. Je vais tout simplement lire vos questions. Alors, Mariano, oui, j'ai vu que tu avais commencé la formation. Euh, et je t'en félicite d'ailleurs, je vois ta progression. Et tu progresses déjà certains. Enfin, un peu plus que les autres, je vois. J'aurais besoin d'aide pour savoir ce que l'on peut améliorer sur mes photos pour les sublimer avec Photoshop, images de sport, studio et concert. Euh, je vais tout simplement aller voir dans quel module tu es. Euh, parce que pour moi, il est indispensable de d'abord passer sur les notions essentielles. Euh, donc, ok, on peut revoir certaines choses que vous avez déjà vues. Mais il faut les voir, parce que euh, moi j'ai revu d'année en année certaines choses et alors là je suis passé à un niveau euh, supérieur parce que j'avais des bases. Mais j'avais des petites bases comme ça, j'avais pas des bases solides pour construire ma pyramide et arriver en haut et de rester en haut. Enfin, rester en haut. C'est une métaphore hein, pour éviter de perdre en niveau sur... Euh... Enfin, vous avez compris. <laughs> euh, voilà, c'est tout ça. Le but, c'est quand même de grimper, euh, de construire une pyramide. Voilà, vous construisez votre base bien solide. Voilà. Et ensuite, vous finalisez votre pyramide. On arrive sur le top et après, c'est parti, c'est lancé. Euh... Et j'ai Christophe qui vient d'intégrer la formation. Donc je te dis bienvenue Christophe. Tu t'es, ouais, tu t'es. On t'a même pas vu dans les commentaires. Bon bah le mec est silencieux et bon voilà, c'est cool. Donc euh, bah voilà, bienvenue à toi. Excusez-moi, je regarde mon téléphone pour voir s'il n'a pas de problème. Mais normalement, bon, il n'y en a pas. Et euh, bah il n'y en a pas d'ailleurs, euh, puisque après on passe au module 9, donc là on passe aux choses sérieuses avec caméra haut. Donc là caméra haut, on fait pas mal de photos dans le détail, on voit dans un premier temps les réglages de base, il est très important de maîtriser les réglages de base pour sublimer dans un premier temps notre photo, et après on va bien sûr un petit peu plus loin avec la courbe des tonalités, il y a moyen de sérieusement mettre son style à partir de la courbe des tonalités, je vous montre comment apporter un petit peu plus de couleur dans les noirs. Dans les gris et dans les blancs. Voilà, on peut mettre un petit peu de magenta, on peut mettre un petit peu de vert dans les hautes lumières, on peut mettre tout simplement un petit peu bleu pour donner un petit côté vintage dans les noirs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Si vous voulez obtenir par exemple un effet vintage, vous savez qu'il faut mettre du bleu dans les noirs et du jaune dans les blancs, dans les hautes lumières. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de mon préféré, le TSL. Le TSL signifie tout simplement teinte, saturation et luminosité. On va donc revoir et peaufiner chacune de nos couleurs. Dans un premier temps, on revoit la teinte. Ensuite, on voit la saturation de nos couleurs. Et on finit avec la luminosité, à savoir si on veut qu'une couleur soit plus claire ou plus foncée. Donc du coup, on peut sérieusement guider le regard du spectateur sur un détail, sur une partie bien précise de notre photo. Le TSL, pour moi, ça tue. Alors, est-ce que la formation se déroule dans Facebook ou il y a une plateforme pour cette formation Je trouve que Facebook... Alors, euh, non, le groupe privé est sur Facebook. Seulement les gens qui sont dans la formation accèdent à ce groupe d'entraide, très privé. Donc euh, voilà, il y a seulement les élèves qui sont assidus et qui veulent passer aux choses sérieuses, donc qui arrivent sur la formation, qui ont accès donc à ce groupe Facebook. Et salut le chat. Et euh, donc voilà, ce que je dis, qu en fait, non, cette formation, elle n'est pas du tout sur Facebook. Il y a seulement le groupe qui est sur Facebook. Vous allez arriver, dès que vous allez euh, donc activer votre formation, dès que vous allez valider votre formation, vous allez tout simplement directement recevoir des logins avec un mot de passe et un, et un nom d'utilisateur. Et vous allez tout simplement renseigner ce nom d'utilisateur. Je vais vous donner votre lien. Et voilà, vous cliquez dessus. Et euh, vous avez donc un mot de passe privilégié, une session privée extrêmement importante, parce que je tiens à avoir une relation privilégiée avec chacun d'entre vous. Hein, moi je ne fais pas les choses au hasard, je tiens à vous suivre personnellement, donc vous avez une plateforme spécialisée, spécialement pour votre travail, pour votre profession, et du coup bah, je peux vous suivre, et surtout bah, vous pouvez me contacter en privé ou alors mettre tout simplement un commentaire sous chaque vidéo pour dire voilà si vous avez une question et que vous voulez des interactions avec les autres, parce que le but c'est quand même de créer un groupe d'entraide. Donc euh, vous n'êtes pas du tout seul et vous êtes sur une plateforme spécialisée pour apprendre correctement Photoshop. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je vais juste continuer sur le module 9. Euh, voilà, après le TC, bah forcément, on ne peut pas passer à côté des réglages avancés. Il est extrêmement important de peaufiner dans le détail sa photo. Et là, on peut avoir des trucs de dingue. Les réglages avancés, vous allez voir qu'on va pouvoir revoir le vignettage, on va pouvoir revoir la netteté, le détail. Il y a plein de choses à mettre en place, comme par exemple calibrer. Hein il est très important de repérer par exemple que euh, sur votre photo, vous l'avez pris avec un canon. Ou un fuji, j'en sais rien, moi, un Olympus, quoi que ce soit, il est très important de repérer l'objectif pour éviter tout ce qui est déformation et aberration chromatique, qui est fourni donc par les boîtiers, par les objectifs. Donc on voit ça ensemble, bien sûr. C'est très important de commencer par ça avant de s'engager dans une retouche photo. Donc je vous montre bien sûr tout le process. Et euh, voilà, on peut bien sûr pas passer à côté de la correction localisée pour aller encore un peu plus dans le détail. Et peaufiner, encore une nouvelle fois, notre photo. Il est très important de... Retoucher notre photo, de l'améliorer, de la sublimer et ensuite de la peaufiner pour avoir vraiment ce qu'on veut avoir, le top du top. Donc, du coup, on passe au module 10 à savoir le cas pratique. Alors là, c'est parti. Là, c'est parti. On envoie du lourd. On se retrouve directement dans la première vidéo à savoir comment retoucher un portrait photo. Donc là, ça commence à être un peu plus long. Retouche portrait. On n'est plus sur une heure déjà de formation. Euh... 1h40 même, je crois peut-être même un peu moins de deux heures, je sais plus. Euh, voilà, on retouche un portrait photo, donc je vous donne la photo, vous l'importez dans Photoshop. On commence avec caméra haut, on commence avec euh, du nettoyage, on commence par sérieusement revoir notre photo avant d'apporter tous les filtres et effets que l'on souhaite mettre en place. Je vous montre bien sûr comment faire un dodge and burn. Ça, je pense que euh, c'est une technique de base, comme le split frequency. Je vous montre le dodge and burn, pour, voilà, pour que vous puissiez tout simplement nettoyer votre retouche portrait. Donc là, c'est pas pour les débutants, enfin, c'est plus pour les passionnés, ceux qui sont un peu plus dans Photoshop. Mais comme vous avez suivi déjà les 10 modules, bah vous n'avez pas de surprise, vous connaissez déjà. Et pour moi, bah vous n'êtes plus un débutant. Si vous arrivez sur le module 10 et que vous êtes accroché jusque-là, bah je vous considère un peu plus comme un amateur, voire... Euh passionné Donc, euh, du coup, bah, je vous montre encore un peu plus de choses et on voit comment retoucher une photo type ville. Donc là, on va faire du nettoyage. On va peut-être même incruster deux trois petits trucs histoire de se marrer. Et voilà, on sera les seuls à savoir qu'il y a certains détails dans la photo. Je vous montre mon petit truc à moi qui fait toute la différence. Et euh... enfin voilà, il y a vraiment moyen de se marrer et d'incruster différents trucs. Personne ne le voit. Vous êtes seulement les seuls à le savoir. Et voilà, il y a des images comme ça qui peuvent voyager dans le monde entier. Il y a certains artistes qui le font et moi-même je reproduis aussi la même chose. On ne sait jamais, si un jour votre image fait le tour du monde, vous serez le seul à dire que je vous n'avez pas dit, mais là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose de caché. Voilà, enfin, bon, c'est mon petit délire à moi et je vous montre ça aussi. Donc, du coup, bah, une fois que je vous ai montré comment retoucher un portrait photo, retoucher une ville, euh, comment retoucher un paysage, on peut passer aux choses sérieuses, à savoir comment mettre en place les métadonnées et les copyrights. Pour protéger votre travail et référencer votre travail. Il est très important de prendre le temps de détailler, de mettre un descriptif, de renseigner votre intention pour déjà, dans un premier temps, les moteurs de recherche pour qu'ils puissent mettre en avant correctement vos travaux. On fait pas une photo et bam, on la laisse comme ça sur, sur Facebook ou euh, autre site. Il est très important de mettre en place des métadonnées pour renseigner votre intention, pour affirmer. Que voilà ça c'est votre boulot c'est à vous on pourra pas vous le prendre ça sert à rien de mettre une signature en bas à droite c'est moi je vous le conseille pas je le conseille jamais déjà parce que vous avez pas de nom arrêtez de mettre des signatures vous on vous connaît pas donc ok on veut tu veux protéger ta photo je comprends tout à fait et déjà si t'as pas de nom je vois pas pourquoi tu voudrais protéger ta photo ou alors c'est que t'as fait une super photo si t'as fait une super photo on verra t'as pas besoin de mettre une signature pour que voilà euh, que ça fasse pro moi je le fais pas j'ai plus de dix années, je le fais pas, je le mets, je mets tout simplement mon copyright dans les métadonnées, c'est invisible. Et s'il y a un petit malin, un petit malin qui veut piquer mon travail, bah il dira ouais, pas de signature. Bonhomme, tu veux prendre mon travail Tu vas jusqu'au bout, tu regardes dans les métadonnées, tu regardes s'il y a mon nom qui ressort ou pas, et surtout s'il y a mon site ou pas, parce que j'inscris toujours mon site dans chaque création que je fais. Je vous montre comment je le fais, et du coup voilà, si quelqu'un est intéressé par votre travail, au moins il saura vous retrouver, c'est inscrit dans les métadonnées. Donc ça, bien sûr, c'est les personnes qui sont susceptibles de savoir un peu ce qu'ils font. Et euh, voilà, Et, du coup, ils sauront vous retrouver. Si vraiment vous devez vous retrouver, vous inquiétez pas que les personnes qui doivent vous retrouver vous retrouveront. Et euh, bien sûr, voilà, on peut bien sûr pas je peux pas vous lâcher sans vous montrer comment organiser votre travail une fois que vous avez retouché votre photo, il faut savoir la stocker. Okay. Il faut savoir la traiter, il faut savoir l'exporter, il faut savoir la montrer sur tel site. Donc je vous montre comment exporter votre travail sous différents formats, sur différentes résolutions. Moi un truc que je fais jamais, je poste jamais ma haute définition sur Facebook, jamais, jamais de la vie. Même sur mon portfolio professionnel, je poste jamais la HD HD. J'entends par là que euh, mon projet final, mon JPEG final, je suis seul à la bras je suis le seul à voir, elle est sur mon disque dur, vous ne le voyez pas. Ce, qui, ce que je vais poster sur Facebook, c'est déjà une résolution en 72 dpi. 72 dpi pour le net, pour l'écran, c'est 72 dpi. Après, je vais plutôt privilégier un 2000 pixels plutôt qu'un 5000 pixels, forcément. Hein. Euh, Facebook va déjà compresser sa photo. Il faut adapter le format à Facebook ou autre. Euh, ou autre. Euh... Instagram, YouTube, autres réseaux sociaux. Putain, j'ai du mal. Voilà, il faut adapter votre photo pour qu'elle soit le mieux supportée par la logiciels. YouTube a des formats, c'est 1280 par 720. Facebook, c'est. Euh... Je crois que c'est. Euh... Je l'ai noté sur Photoshop. Bah, c'est bien, on va basculer dans Photoshop. Je vais vous le dire. Hop, dans les cadrages, vous voyez, j'ai tout noté là. Hop. Donc, ça, c'est pour mes bannières. Et sur Facebook. Euh... Euh, Facebook, on est sur du 1200-630. Voilà, je sais que mes vignettes, je les mets en 600 sur 400, mes bannières sont 1900 par 300. Twitter, les images, s'il veut bien les mettre en avant correctement, il faut lui donner un format de fichier. C'est du 1024 par 512 en 72 dpi. Voilà, tout ça, je vous le donne. C'est dans la formation, je vous dis comment faire. Euh, alors, hop, je veux pas recadrer, t'es gentil, merci. Non, voilà. On revient tout simplement sur notre formation, vous avez votre coffret et surtout voilà, je vous offre moins 30%, ça va pas durer parce que voilà, je tiens à me consacrer uniquement aux 100 premiers inscrits. Après je vais sûrement fermer la formation pour un petit moment pour justement bah, me focaliser sur vous, donc elle va pas être disponible très longtemps. Euh, il y a moins 30% et euh, voilà, une fois que je reviendrai et que je réouvrirai les portes de cette formation, bah ce sera le prix normal. Donc euh, bon, pour 13 heures de formation, vous en avez quand même pas mal de modules, pas mal de vidéos. C'est pas une petite formation, comme je vous le dis, hein, c'est vraiment un investissement. Donc tous ceux qui veulent survoler Photoshop, c'est pas pour vous. Ceux qui veulent passer aux choses sérieuses, bah c'est parti. C'est parti, je vous attends de l'autre côté. Je vais vous laisser. C'est à vous maintenant de passer aux choses sérieuses, à savoir si, si vous voulez vraiment maîtriser Photoshop, que ce soit pour. Bah, un point de vue débutant, un point de vue amateur ou professionnel. Photoshop, c'est clair, dans 10 ans, tout le monde l'utilise. Donc, autant que vous soyez déjà à la page, le plus vite possible. Photoshop, c'est sûr, tout le monde va l'utiliser. À l'école, on va l'apprendre. Les gamins vont l'apprendre. C'est sûr, dès le collège, Photoshop, ils l'apprendront. Et ouais, dans, je sais pas, dans 20, dans 10, 15 ans, c'est sûr, on vous demandera d'utiliser Photoshop comme Word ou Excel. Moi, j'en suis persuadé. C'est un truc de ouf. Tous, tous les gens qui utilisent Photoshop... Enfin moi, quand je vous vois les abonnés, c'est simple. Hein. Euh, J'ai dû 13 ans à dû... Euh, bah, je crois qu'on approche les 90 ans quand même. Hein. Euh, J'ai euh, certaines personnes qui regardent en maison de retraite mes tutos, par exemple. Parce qu'ils veulent tout simplement retoucher leurs photos de jeunesse, leurs photos de famille. Euh, voilà, les gens auxquels ils... Les gens qui tiennent à cœur, forcément, euh, on a envie d'avoir de, des belles photos d'eux. Donc euh, voilà, Photoshop, vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous voulez passer aux choses sérieuses, au bout d'un moment, il faut se procurer Photoshop. Il faut avoir Photoshop sur votre ordinateur. Et je vous montre pas à pas comment débuter efficacement dans Photoshop. Donc voilà, j'attends tout simplement si vous avez des dernières questions. Et après, je vais vous laisser. Et je vais m'occuper donc des deux inscrits qui viennent de s'inscrire. Voilà, à savoir Christophe et Fanny. Donc Fanny, je te dis bienvenue dans la formation, et Christophe aussi, je vois que tu as commencé à regarder déjà la première vidéo. Donc voilà, je vous invite tout simplement à télécharger votre formation, euh, enfin, à vous inscrire dans la formation dans le descriptif juste en dessous. Et oui, une dernière question, si vous voulez avoir les modules, c'est possible, vous allez juste aller télécharger. Vous les téléchargez, ils sont possibles, vous allez pouvoir les regarder chez vous sans connexion Internet. Bon, bien sûr, il faut avoir une connexion Internet pour les télécharger quand même. Mais euh, voilà, en tout cas, vous allez pouvoir avoir vos Module vos vidéos sur votre disque dur, sur une clé USB, quoi que ce soit. C'est à vous, ça vous appartient à partir du moment où vous êtes de l'autre côté avec nous. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, sinon je vais vous laisser. Il commence à être tard, j'ai pas envie de prendre plus de temps. J'ai pas envie de vous perturber, voilà. Et puis je veux accompagner ceux qui ont déjà commencé. C'est extrêmement important pour moi de bien vous accompagner. Euh, voilà. C'est primordial pour moi d'avoir un, un coach, un, voilà, quelqu'un qui, qui est derrière vous et qui vous pousse. Moi, je suis le premier à vous pousser. Hein. Moi, je veux que votre meilleur, que votre progression. Donc, je serai que là à vous pousser en avant et à vous dire, voilà, ça, c'est possible. Tiens, il y a peut-être ça que tu pourrais mettre en place. Il y a peut-être ça qui va révéler totalement ton idée principale, ton message. Il n'y a que comme ça que tu vas arriver au bout. Donc euh, voilà, euh, tout simplement, si vous voulez révéler vos photos sur Facebook, révéler et sublimer vos photos sur Instagram, passez aux choses sérieuses avec une réelle formation Photoshop. Voilà, euh, il faut passer aux choses sérieuses, hein, au bout d'un moment, il faut y aller. Et se dire qu'il n'y a que comme ça que je vais euh, réellement progresser dans Photoshop. Moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à essayer de trouver une solution pour moi. Là, je vous la donne. Voilà, je vous la donne. Voilà. Mariano Cuevas, si tu pas de questions. Euh, qui est dans la formation avec nous. Euh, D'ailleurs, ça te fait plaisir du coup de bah, te voir avec nous. Euh, voilà. Bon, je vais vous laisser. J'espère que vous allez pouvoir cliquer et nous retrouver de l'autre côté et passer aux choses sérieuses, à savoir maîtriser réellement et logiquement Photoshop. Je vous dis donc encore un énorme merci de m'avoir suivi pendant ces... 2h30 Non. 2h20 On est 2h20 là Voilà, je vous dis donc un énorme merci de m'avoir suivi dans cette... dans ce live. Dans ce live Photoshop, j'ai eu très chaud. Je ne sais pas si vous avez eu chaud, mais moi j'ai eu extrêmement chaud. Ah mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de discuter avec vous. Je reste encore quelques instants si vous avez quelques questions sur cette formation que j'ai construite spécialement pour vous. C'est pas une petite formation que j'ai faite en un mois, ça fait allez, plus de 6 mois que je suis dessus. J'ai construit et déconstruit Photoshop, j'ai décrypté spécialement Photoshop pour vous. Donc euh, voilà, cette formation suit un chemin logique. Vous n'avez plus qu'à le suivre avec moi pour euh, sérieusement maîtriser Photoshop. Vous allez voir que je vous accompagne sérieusement dans cette formation. Et que vous n'êtes pas lâché dans l'océan, laissé à l'abandon. Vous avez juste à me poser des questions et je répondrai. Voilà, mon but c'est tout simplement que vous vous sentiez à l'aise avec Photoshop et que vous puissiez vous concentrer sur votre créativité. Donc je vous invite tout simplement à cliquer dans la description pour retrouver le programme de cette formation. Et voilà, cliquez sur Démarrer pour démarrer la formation et recevoir tout de suite la première vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, je vous dis ciao et bonne retouche. Je sais pas si j'ai fait... Non, j'ai pas besoin. J'ai fait un clap, mais ça sert à rien. <laughs> j'ai pas de jingle. <laughs> et faire rater. Donc euh, voilà, allez, cliquez sur démarrer la formation et on se retrouve de l'autre côté pour passer aux choses sérieuses, à savoir comment maîtriser Photoshop euh, logiquement. Parce qu'il faut avoir une certaine logique pour maîtriser Photoshop. Et je vous donne toutes les clés essentielles pour justement démarrer confortablement, passer au niveau supérieur pour les amateurs et atteindre le niveau que vous voulez atteindre. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà. Je vous dis donc encore un énorme merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir. Passez au de sérieuse. Cliquez sur démarrer la formation. On se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao.